Yo les jeunes, bon mardi, il est 6h37 et puis on commence. C'est quand même un bon temps, mais on est tous là. C'est surtout ça qui me réjouit en ce moment. Donc, semaine passée, on a eu droit à un espèce de petit hors-série avec certains joueurs qui étaient avec nous il y a quelques temps de cela, mais... C'est quoi le nom déjà? C'était Zilana et Hugo. Les orphelins. Ouais. Les orphelins. Papa, je dois s'en aller. Ok. Bye. Bye, Raphaël. Bye bye. C'était parfait. Bon, ben, ça a fait la soirée. On a eu ce qu'on voulait. Bye. Moi, on peut pas topper ça. Non. Le highlight du match. Donc, pour résumer, la dernière partie, bien entendu, ça sera pas celle qui s'est passée avec les orphelins, mais bien la vôtre, donc d'il y a deux semaines. Vous veniez d'arriver à Candlekeep, j'espère que vous vous souvenez de ça, et un nain... Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je me rappelle de ça! Et c'est reparti. C'est vraiment une erreur. Sorry! Non. Ah, oh, Colin. Donc, un concierge est mort devant vous, tenant un livre. Et quelques temps après, un énorme tremblement de terre / explosion a secoué la ville de Candlekeep. En vous dirigeant vers le Inner Ward, vers la partie intime, non, vers la partie intérieure de Candlekeep. Vous avez croisé en fait Bookworm, un des premiers lecteurs, donc un des dirigeants de Candlekeep, qui vous a, pas vous, là, qui a mandaté à Beros de trouver l'origine de ces tremblements de terre, qu'il savait qu'ils n'étaient pas reliés au volcan, et qui y aurait originellement. Non, mais qui venait, le point d'origine était quelque part dans le Inner Ward de Candlekeep. Originalement. Ouais. Je sais pas. Qui originait. Qui originait plus. Donc, vous êtes promené parce que c'est ce que vous faites. Vous avez trouvé assez facilement la barn door, la porte de grange, qui était marquée dans le livre que vous aviez pris sur le concierge mort et qui était identifié. Vous avez trouvé ça louche, donc vous êtes allé voir, vous avez vu que il y avait un peu moins de débris, il y avait un peu moins de saleté à cet endroit-là, un peu comme si le souffle avait été très très fort et partait de là. Vous avez ouvert les portes. Vous êtes rentré et Foundry a planté comme ça avait pas de sens et m'a fait... on a eu la meilleure game ever parce que c'était du Theater of the Mind. C'était malade. C'était très cool, mais c'est comme, en tout cas. Joe était marabout. Nous autres, on avait du fun. On cherchait nos dés. On cherchait nos dés physiques. C'était malade. Hey, d'ailleurs, depuis ce temps-là, je me suis commandé des dés de chez DB Dice. Nice. J'ai hâte de les recevoir, même si je pourrais jamais les utiliser. Moi, j'en ai supposément gagné un avec le tirage de coup critique. Nice! Mais... Allô? Tiens, je l'ai... Ah non! Pierre-Philippe, s'il écoute puis il me répond pas à mon messenger. Allô? Allô? T'as gelé. Ah, cool. Ouais. Juste quand j'allais dire de quoi, c'est bon. Je disais que Pierre-Philippe, il me ghost. Sur Messenger depuis que j'ai demandé s'il y avait besoin de mon adresse pour me l'envoyer. Pierre-Philippe, arrête de me ghoster puis parle-moi sur Messenger. On fera un clip de ça, là. Hey, mais ça... Ben, si tu veux, j'enverrai ton adresse. Nice. Donc, c'est ça. Donc, Foundry a planté à ce moment-là ce qui m'a fait chier, mais on a continué. On a réussi à explorer en Theater of the Mind la porte de grange. Au premier étage, vous êtes battu contre des cultistes, là, des membres du culte du bétail. Vous les avez attachés au premier étage, dans l'entrée, où ils étaient très heureux d'avoir déjà réussi la moitié du
du voyage. Ça. Vous avez découvert une porte secrète qui vous a amené vers le sous-sol de cet endroit de la tour, où vous avez découvert des espèces de... comment dire, des insectes de métal? Des widgets. Des widgets, des skitter widgets qui sont... qui vous ont attaqué, vous les avez tués, vous avez adopté leur bébé, puis c'était pas mal ça. Donc, Brillant et Raph, vous avez chacun avec vous un petit skitter widget. Ouais, d'ailleurs, tu l'as-tu mis dans ta fiche? Moi, je l'ai, j'ai marqué deux, mais si tu l'as déjà mis, je vais l'enlever, j'en ai juste en même mettre un. Christine. Ah! Non, pas pantoute, j'ai pas réalisé pantoute, fallait faire ça. Mais je vais te le chat pendant que Joey explique. Ah, ok, cool, merci. Bon. Et vous avez ouvert la porte qui s'ouvrait sur un long corridor noir. Vous avez commencé à rentrer dans le corridor et très rapidement, un énorme mille-pattes a commencé à s'en venir vers vous en zigzaguant dans le corridor. Et une boule de feu niveau 4 lancée par Aberros ainsi qu'un surprise motherfucker ont fait que vous avez réalisé que c'était une simple illusion et qu'il n'y avait rien là. Il n'y avait que du vent. Donc, vous avez repris votre exploration pour vous rendre à... Ben, dans le corridor, en fait, il y avait trois portes. Deux à votre droite, une à votre gauche. Vous êtes allé à celle la plus au fond, la deuxième à droite. Et Luciano, c'était la dernière action de la partie, a écouté à la porte et a entendu des voix dire « Coudon, c'était quoi quelqu'un qui vient de faire un clip sur sur Pepe Kid Ghost, si tu le veux, si t'en as besoin, Pat. » Nice. Merci, GDR Ninja. Vous avez entendu, ben en fait, Luciano, t'as entendu des membres du culte du bétail dire « C'était quoi ce bruit-là? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on aille prévenir Stunky? » Ouais, ça l'augure pas vraiment de bon. Fait que... Calisse! Il l'a même mis sur le Discord de Coup Critique. Le wow. Discord ou le sur le Discord. Ah non! Hey, wow! Wow! Écoute, ce qui est sur Internet, ça t'appartient pas, là. Je sais pas c'est qui, lui, là, mais il est drôle, mais il est méchant. C'est un ninja. On peut pas savoir si c'est ça, c'est un ninja. Ok. Il a fait ça discrètement. Wow! Je trouve ça Chris fan drôle. Hey, ça m'a un peu cassé ça. j'en étais où? Oui, donc c'est ça. Ouais, parce qu'on devrait aller dire ça à Stunky. Ouais, non, mais ça a pas de sens là. Ça sent pas bon là. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est ici. Il y a quelque chose qui va pas bien. Et je vais vous amener à la map. Hey, c'est drôle, j'étais certain qu'on avait fini la tour. C'est bizarre. J'ai perdu mes raids, je pensais qu'on avait fini la tour. Je pense que c'est une nouvelle. Je pense que c'est la même, non? Non, mais c'est parce que Foundry avait planté à la fin. Ah oui! Puis le Foundry me chie dans les mains. Encore là, là? Non. Okay. Je comprends pas. Ok, je sais pas, mes tokens avaient juste pas loadé sur la... Vous autres, c'était correct, puis moi, je voyais rien. Ok, donc, vous êtes dans cet énorme corridor-là. Il est dans le noir, comme je vous avais décrit. Luciano, t'es en avant d'une porte. Oui. Les autres, là, je vous ai placés aléatoirement. Là. Donc, il est présentement 9h21. On est le 20 novembre, 1495. Il fait 11 degrés Celsius parce qu'on est l'hiver. Et... Un time.
Les nuages sont dégagés, mais il fait une belle journée. Non, ben là, vous étiez dehors tantôt. Oui, c'est vrai. Donc, que souhaitez-vous faire? Est-ce que j'avais... je me souviens pas si j'avais fait un jet de discrétion. Est-ce que j'ai perçu le nombre de voix? Ou est-ce au moins que deux. Au moins deux. Ben, discrètement, je le mentionne aux autres. Là, je fais comme... Il y a deux personnes, d'autres cultistes. J'essaie de faire une perception pour voir s'il y a des trucs dans la pièce, là, genre des pièges, ou des runes, ou des... c'est ça. Là. Où vous êtes présentement? Ouais. Ouais, vas-y. Excuse-moi, je reçois un appel en même temps, what the fuck? C'était ça, les oiseaux? Non, tu l'entends pas. On entend les oiseaux en arrière. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est dans mon truc à moi ou si c'était ton téléphone qui sonnait. Mais c'était dans cute. Ma cour, il y a des oiseaux. Ah, peut-être. Ok, on attends, tu m'as dit. Perception, oui. Ben, c'est toi là, qui me l'a dit, ben oui. Yeah! Oh, damn! Oh. Tu remarques que c'est fucking propre. Ok, c'est tout. Genre, il y a sweet fuck out, là. Tu sais, comme on dirait que c'est lavé à l'eau de Javel à tous les jours. Ok. Squeaky clean. Je peux-tu en faire un pour savoir d'où est-ce de quelle porte ils viennent? Ou s'ils viennent d'une porte point? Hein? Le son vient de la porte en avant de Luciano. Et à laquelle il nous a pointé qu'il y avait deux personnes à l'intérieur. Ah, ok, ça. J'avais pas vu. Mais sinon, il y a une autre porte là et une autre porte là. Ok. Nous, on vient d'une d'entre elles? Non, vous venez du fond ici. Luciano, t'as bien dit qu'il y avait des cultistes derrière cette porte-là. Ok. It's hammer time. Yes! On les explose! Fuck yeah. Luciano va se tasser un peu. Oh shit, tu fais juste que je vais mettre en... ouais, je vais mettre là. Hey! Moi, là, je vous dis doucement... T'as un bon chemin. Je ne serai pas longtemps. À moins que quelqu'un s'oppose à notre entrée fracassante, nous allons procéder. Je sais pas si c'est barré par contre. T'as des maladies assez douces. Ben, ils font ce temps. Je vais faire une perception pour voir s'il y a un piège sur la porte. Mais c'est pas ça que tu viens de faire. Non, c'est la pièce, je l'ai faite. Il y a aucun piège sur la porte. C'est pas une porte style sas, hein? Non, pas celle-là. Es-tu barré? Non! Bon, ok. Ben, je veux ouvrir. Bro, il... Je laisse Bro y aller. Donc, t'ouvres la porte. À ce moment-là, je vais vous demander de rouler une initiative. Donc, vous êtes sur le turn order. Je vous rappelle, c'est le petit point à côté du chat. Ah, je peux entendre mes dés de nouveau. Je m'excuse d'avoir ruiné ton entrée, bro. Oh yes. Ah, c'est pas grave. What? Je vais me revenger sur toi. Avec des fights! C'est comme, il tue un bonhomme, j'ai un extra attaque, je vais utiliser sur brillant! Donc, tout le monde a roulé. Brillant! Oh non. C'est toi qui commences. Tu viens d'ouvrir la porte et de l'autre côté, t'entends... celui-ci, c'est quoi son nom? Ouh! Duck Bean, c'est quoi sa race pis tout? Docteur des haricots? Ouais, on a encore un nom bien épique ici. Ah, oh, vous l'aviez-tu déjà tué, Duck Bean? Non, ce sera souvenu de Duck Bean. Ok, fait que Duck Bean, qui est un dwarf, un nain, qui fait comme... Oh! Des hérétiques! Ils sont là pour arrêter le plan! Fait que, qu'est-ce que tu fais? C'est toi la première. Je bondis devant Bro. Mm-hmm. Puis je sors ma rapière, puis je suis comme ah! Puis là, je vais me mettre ça, parce que je vois crissement rien. Oh my god, ok. Puis là. Puis je baisse ma ma rapière. Puis je suis comme...
Hey, mais de quel plan vous parlez? Fais-moi persuasion. Wow! Excusez les gars, j'étais pas. J'étais arrivé en retard! Ah oh, shit! Non! Je les reconnais, le monde comme toi, tu veux m'enferwapper! Il te reste ta bonus action, qu'est-ce que tu veux faire? Ah! Je vais lancer une dague à. À lui, ça. Mais t'as-tu une dague? J'en ai plein. Qu'est-ce qu'elle a une dague? Attends, une minute. Ah non. Your controlled actor, Briantine. Oh shit, c'est le plus important. Briantine the world has more than one item Fendu, with on name dagger. Acteurs, man, j'aime ça. Ouais. Mais là, tu cliques sur dans le chat. Tu devrais pouvoir faire. Ah, ok, non, c'est parce que ça m'ouvrait un. En tout cas, bref, pas grave, je vais le faire ça. C'est juste parce que t'as trop de dagues. C'est ça que Foundry dit. Fait que 24, ça touche. Tu peux faire ton dommage. Ça va être moins 4, par contre, le dommage. Fic. Ah non, c'est pas un crit. Fait que, ok, c'est bon. Fait que ça fait 16. Hey, pour une dague, c'est pas si pire. Tout à fait. Donc, 16 sur le Skitter Widget qui fait. Ah non, c'est mon Skitter Widget. Ben non, c'est pas le tien. Ok. Non, toi le tien, il fait dodo, pis tu sais, il s'est comme un peu enroulé, genre sur toi, là, pis il est comme. Ah, okay. T'es mon papa. Ah, oh, il y a okay. Un Skitter Widget. Aberos. Est-ce que tu te concentres sur quelque chose? Non, c'est ça que je me demandais justement. On enlève ça. Parfait. Je peux-tu me placer genre où est-ce que Bro y est, pitcher une fireball, puis après ça revenir où est-ce que je suis tout en ce fait. Moment? Tout à fait. Parfait. Donc, Tant que tu finis pas ton tour dans la case d'un allié, y a pas de problème. Si tu fais un jet, par contre, tu vas être à désavantage. Mais là, tu fais pas de jet, fait qu'il y a pas de problème. Ben, je fais un tweet. Firebolt? Ouais. Firebolt ou Fireball? Bolt. Ah, Bolt, tu vas être à désavantage. À désavantage. Mm-hmm. Attends, j'ai fait 15. Ok. Bon, je vais venir. Ouais, tu pourrais passer en diagonale puis le faire en 30 pieds. Ok, parfait. Fait que je vais. C'était lequel t'avais attaqué, Brian? Celui, ouais. Si tu le vois. Ben, je pense que je le vois parce que j'ai un petit peu plus d'accès pour le stream. Fait que je vais attaquer celui que je suis sûr que je vois, je vais attaquer lui ici. Excellent. Ça te souffle quelque chose? Ça fait longtemps qu'on a joué, hein. Ouais. J'ai quand même. 15! 15. Ça ne touche pas. Mm. Ton Firebolt se fracasse sur la table à côté. Et tu recules? Oui, je recule là. Luciano. Ouais, Luciano va s'avancer. Ah, il y a plus de monde que je pensais. Ah, il y a 3 humains, ok. En fait, lui ici, c'est un nain. Ouais, ok, 3 humanoïdes. Il y a aussi un halfling et un half-orc. Intéressant. Non. Luciano, il est rentré comme plein de. Avec tout. On se rappellera que la précédente game, Luciano, il propose aux autres. Tu sais, on a été engagé par la police, on est comme les autorités si on veut, là. Fait que. Puis il va répéter les mains en l'air! Puis il va refaire ce qu'il a fait en haut. Il va faire un old person niveau 3. Il va viser. Les 3 messieurs. Non, juste 2. Là. Ah. Quoique. Ah ouais, on le fait niveau 4. Ce sera pas long. Old person. Bon, which old tabletop not found. Je l'ai fait tantôt. Ouais, mais je vous ai redéconnecté depuis ce temps-là. Niveau 4, cast on VTT. C'est un Wisdom 17.
Fait que lui ici ne l'a pas. Lui je le vois un peu là, mais. Non non, ça y a pas de problème. T'as assez de mouvement pour le faire. Fait que. Oh que lui, celui que t'as de la misère à voir par contre, il t'avait vu venir, puis il est correct. Celui dans le fond. 12, non, c'est pas assez. Fait que. T'en as pogné deux, ils sont paralyzed, hein? Ouais. Puis chaque collègue qui rentre dans la salle, je vais leur. T'sais, ils vont peut-être le remarquer, là, mais je vais leur dire, là, eux sont paralysés, là. Ok. Deux petites secondes. Je reviens. 5, 10, 15, 25. Est-ce que je peux en tuer ou je fais juste les blesser, les tirer dans les jambes? Ben, c'est des cultistes, là, pis ils nous ont attaqué en premier. On va les arrêter, bon. Là, c'est pas trop, là. Ouais, ceux en haut, on les avait attachés, là. Ben, c'est ça, on les a pas tués. Ah, ouais, c'est vrai, ok, ouais. Écoute, mmh. S'ils meurent dans le cadre d'une intervention dynamique... C'est vrai, ça. Parfait. C'est correct, Joe? Okay, t'es mute. Mute, par exemple. Il a perdu la voix. Non, non, tout à fait. C'est juste parce qu'il fallait que je débarre la porte parce que ma conjointe a oublié ses clés. Et j'avais oublié de le faire avant la game. J'ai eu un flash là qui finissait à 19h. Donc, fait que c'est ça. Puis je voulais pas qu'elle arrive et qu'elle capote. Fait que, faites ça. Faites ça. Donc, Luciano, t'as réussi à en faire deux. C'est les deux du côté est de l'écran. Mm-hmm. J'ai terminé. Je m'en viens t'attaquer. C'est ça? Est-ce que mon Kiddy Widow, comment il s'appelle? Ton c'est un Skitter Widget. Skittles! Ah, Skitter Widget! Oui, ouais, on peut, je vais l'appeler Skittles. C'est pas encore un Skitter Widget. Est-ce qu'il y a pas de te touche? Ben oui. Sketo, c'est quand même cool comme nom. Je te fais 11 points de dégâts et tu es grapple. Oh que je viens de voir, t'es à combien? Hey, on est tous maganés. En tout cas, moi, je suis magané en Christ. Ouais, on s'est comme pas. Ben non, oh. On a juste comme des cons. Ben, moi, je suis magané. Moi, je suis pas tant à gagner, mais j'ai plus beaucoup de sorts. Non, c'est ça, on a tout utilisé. C'est correct, c'est le fun. Challenge, man. Mais plus beaucoup. Hardcore. Moi, je suis au bord de la mort, là. Puis il te tire. Ah, come on, Joe. Le Joe, il est pas fin. Fait que je pense que j'ai décidé de pas jouer en mode hardcore. Je vais prendre les modifications de départ pour cette game ici. C'est une joke, Joe, t'es fin, je t'aime. Non, non, je sais. Je suis content de jouer. Attends, mais t'as dit, il me tire. Pour vrai, c'était une joke. Ou c'était une joke. Non, non, il t'a tiré. Fait qu'une deuxième fois, une deuxième attaque? Non, 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 il t'a amené dans sa bouche. Ouais. Tiré dans sa bouche. Ok. Fait que nerveusement, Raph, il regarde autour de Bro, Aberos, puis Hunter s'ils ont des potions de guérison qui traînent après leur ceinture. Mais sinon, il rentre. Que j'ai peur de mourir. 5, 10, 15. Ilala. Fuck, il y a du monde. Je suis rendu à deux inspirations de. Shit. Ben écoute, pour lui. Toi, c'est quelqu'un qui veut notre mort. Quand t'as passé à côté de moi, Raph, t'as pogné une potion de guérison. Ouais, la prendre, c'est une action. Non, c'est un free action parce que c'est un use object. Oh! Ok, bon, ben ça change tout. 5, 10, 15, tu peux l'utiliser en bonus. 20, 25. Bonus action, je me prends une petite potion de guérison. 2d4, c'est ça? 2d4 plus 2. 2d4 plus 2, ouais. Rah, t'avais pas besoin, t'avais juste à tomber inconscient puis je t'aurais guéri. Ok, bon plan pour la prochaine fois! Je me guéris de 9 et je vais... Ah shit, non, tu regaines rien, je t'ai donné mon kombucha. Excuse-moi. Ah non! Tout son... Je fais comme... Tout son petit kombucha! Non, c'était bon. Ok, plus 9. Je vais attaquer avec mes deux actions d'attaque la petite chose...
qui est là. Deux secondes, excusez-moi. Aïe! Aïe! Ça les a-tu roulés? Non. Oui. Shit, ça les a juste roulés sur... J'ai vu dans Beyond. Ouais, c'est ça, ça les a juste roulés. Ouais, genre que comme la semaine passée, ça marchait pas, là. Ouais. Fait que je vais les rouler. Putain. J'avais bien putain. Vu dans... Oh! Putain de merde. Oh yeah! Qu'est-ce qu'il y a? Oh shit! C'est un crit! Ah, oh, ça a fonctionné finalement? Ben, t'en as roulé deux de suite, ça a de l'air, parce qu'on vient de recevoir un crit sur Foundry. Ben, sur Beyond, j'avais un crit, je crois. Oui, mon dernier, c'est un crit, mais mon premier, vous l'avez pas reçu. C'est bizarre. Regarde, je reroule. Ben non, mais c'est correct. Pourquoi tu roules? Ah, parce que tu voulais prendre celui qu'il y avait sur Beyond. Ah, mais son deuxième il a fait sa pour deuxième ta deuxième attaque. Moi, j'ai deux attaques, ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, 28, critical hits, j'y fais... C'est combien de plus 16? 14 plus 16 à cause de mon vicious 16. Mais c'est pas 14 parce que ton piercing, là, c'est pas un des 6, c'est 6. Puis ton autre critical acid, c'est un autre 6. Fait que c'est 12. C'est bien compliqué. Non, c'est juste parce que tes settings, t'as pas mis max crit en Beyond. Mais fait que c'est 12, 14, 23 plus 16. Ouais. 39. What? Fait que je suis rentré, j'ai juste fait comme non! Donner un coup de serre dans la tête de cette affaire-là. T'es encore debout? Il est toujours debout. Je le ramène, je fais flipper mon serre dans mes mains, puis je ramène par en arrière dans la tête. 17, est-ce que je le pogne? Au dernier moment, il est en train de tourner sa tête. Et tu vas manquer ton coup si tu fais pas de quelque chose. Ah, oh, ben non, si 17, je pogne pas, j'utiliserai pas de key point si tu fais. Excellent. Il esquive okay. Puis. C'est quoi l'affaire de Beyond que j'ai pas seté, mais en tout cas je le ferai plus tard. Si tu cliques sur ton petit dé de setting de Beyond 20, ouais. Puis que tu vas dans More Options, ouais. Dans Critical Hit Rule, qui est à peu près oui, en bas bon. De. Tu mets Perfect Roll, Homebrew Perfect Roll. Ooh, nice! Ça va calculer automatiquement avec ma règle à okay. moi. Parfait. Puis si vous le faites à partir de Foundry, c'est déjà fait. Et voilà. Merci, c'était mon tour. Désolé s'il était long, les autres. Mais non, bro. Bro, il va rentrer dans la pièce. Il va pointer le gars qui tient... C'est un nain, lui, ici? Non, c'est un Skitter Widget. Qui tient... Brillant. Puis je vais lui dire... Laisse tomber la môme. Je vais faire Guiding Bolt. J'aime ça. Un roll de merde. Ouais. Puis vu qu'on est quand même assez tard dans la game, je vais prendre mon inspiration. What? Un demi-heure, on commence. Pour faire Guiding Bolt comme du monde. Fait que je fais 10 de radiant. Je vais te laisser garder le 14. Parce que c'est comme si tu t'étais mis à avantage sur le premier. Ok. Fait que la prochaine attaque est à avantage. Après, je vais m'approcher de lui. Puis je vais y faire une attaque de Roche Vorpal. Mais ta Guiding Bolt, tu l'as fait en action. Ouais, c'est un sort. Tu peux pas attaquer après. Tu peux pas attaquer. Tu peux même faire si une bonus. Tu as deux attaques? C'est que t'as deux attaques si tu fais l'action à l'attaque. Combat. Là, t'as fait caster un spell. Ah, ok. Ben écoute, j'ai jamais multiclassé plus qu'il fallait. Fait que c'est vraiment de la chemise. Il y a juste Pépé qui laisse ses affaires-là dans l'épisode 15. Ah, mais Pépé, on s'en calisse. Il envoie même pas ses dés, tu sais. Mais il est bon, Pépé. J'ai aimé son épisode 15. Mais oui. Ah, ok. Ben, je vais aller dans sa face puis je vais attendre que ça passe, là. Parfait. Est-ce que tu veux... Je dois avoir une bonus. Tu peux rentrer en rage, tu peux prendre ta Starry Form. Je vais rager. Moi, ce que tu avais fait les dernières fois, c'était Guiding Bolt plus bonus action, tes cornes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Je vais prendre la rage. Puis c'est tout. Raph, je vais tenter de t'attaquer. Non! Ah ouais, oh shit!
Ça se peut pas. Je pense que Pascal, il file pas, là. Ouais, je sais, je viens de voir ça, moi aussi. Chris, il m'a donné une inspiration à moi, là, un joueur. Un joueur? Oh my God! Merci, merci. Parce qu'il se sent, genre, il se sent heureux depuis la semaine passée. Est-ce que 16 te touche, Raph? Non! Non? Nice! La première attaque. Et 8 doit pas te toucher non plus. Hein. Ah oui, ça me touche par contre. C'est juste... Parce que sur la première attaque, j'ai mon AC 17, mais après ça, je perds 10 de mon AC. Ah, ben oui. Ouais, c'est la fin de Turtle, mais je le rajoute à... Non, c'est pas... T'es ta... Turtle. T'as un taco de 8 aussi, je pense. Oui, j'ai un taco de 8, effectivement. T'as casté Old Person à quel niveau tantôt? 4. 4, donc je dois rouler... Ah non, oui. Ben, je pense pas que ça change grand chose. C'est mon DC. Ah, moi que ce soit un Dispel. Non? C'est un Dispel. Ah. Niveau 4. C'est un Ability Check. Normal. 12. Je ne l'ai pas. Donc, il reste figé. Puis lui, il s'en vient en criant Stunky, Stunky, vite! On est attaqué! Ah, c'est pour ça qu'il en fait, y avait ça, c'était, wisdom. En fait, lui, c'était l'orque. Fait que c'est plus... Stunky, Stunky, on est attaqué! Hunter. C'est moi. Je vais entrer pour commencer à voir qu'est-ce qui se passe. Join the party. Ok, t'as une minute. Tout le monde est en train de se placer pour une belle fireball de la part de Aberos. Mais il y en a plus. Ben, il t'en a pas dans ton c'est... bâton. Son bâton muet. Il m'en reste encore une coupe. C'est juste ça, que. C'est un cultiste peux... Oh, excuse. Oui, ça, c'est un cultiste qui est paralysé. Ok. Oh, attends une minute, là, je viens de voir plus loin. Ça ici, c'est. C'est un autre cultiste, c'est un demi-orc. Cultiste. Oh, je vous demandais là si. Hunter, quand t'es pas. T'es-tu rentré? Oh, oui. Rentré. Oui, je suis rentré. Ah, ok, je te vois pas. Je suis à côté de toi. Ah, je te vois pas. Ah, là, je te vois. Jupe. Ah, mais. Ah, c'est bizarre. T'es apparu ou disparu. Je t'ai mentionné que ceux à droite là, sont paralysés. Ok. Donc, pas lui. Fait que je vais le tirer. Oups. Oh, comment ça qu'elle apparaît plus? Qu'est-ce qui apparaît plus? Mon arme. Ah, est-ce que tu le fais par la barre d'action en haut? Ouais. Ouais. Présentement, étant donné que j'étais avec 7.9, ça ne marche pas, donc tu dois ouvrir ta feuille de personnage. Je vais aller dans Beyond. Soit par Beyond ou en ouvrant ta feuille de personnage sur Foundry. En double-cliquant sur ton token, puis en allant dans Inventaire, Inventory, tu peux cliquer sur l'espèce de dé qui apparaît en avant du nom de ton arme. Ça va l'envoyer dans le chat. S'en vient. Voilà. OK. Tac. Un. Ouais, tu touches. Tu peux faire ton dégât. Pour un gros 12. Tu vois qu'un autre coup comme ça et il serait mort. Je regarde Raph. Parce que je vais tirer le prochain un autre. Pourquoi tu me demandes à moi? Ben. Ok, je vais le retirer. C'est Luciano, l'enquêteur en chef. Luciano, est-ce que je vais pour un autre ou je vais une autre créature? C'est Bro, l'inspecteur. Moi, je suis juste un porte-voix, là. C'est trop malade qu'on se donne. C'est drôle! Bro! Ouais. Quick! Oh non! Non, faudrait quand même... Ok, je m'en vais pour on lui. On n'est pas mandaté pour ça, là. Ouais. Et on est en pleine ville, hein. Je tire pour lui en avant de Briand. Ok, parfait.
Oh, oh damn, que tu pognes. Tu peux faire ton dégât en faisant crit. Donc 26. Tu vois qu'un autre coup comme ça, il serait mort. Oh, what? Respire. Hey, Hunter, tu tires toujours en sharpshooter ou non? Elle tire jamais en sharpshooter. Ah, ok. Mais. C'est un fille qu'elle aime pas. Non, mais comment je le. Je pense que c'est parce que je sais pas comment le faire. T'as dans la barre en bas un espèce de petit bouton que tu peux cliquer dessus qui va le calculer. Sinon, tu fais juste le dire avant. On va faire moins 5 sur ton jet d'attaque et puis on va faire plus 10 aux dégâts. Fait que si faut que je clique là-dessus avant. Ah non, c'est pas aiming... Non, mais il semblait qu'il était déjà dans mon serpentard. Là, non? Non, il est pas dans Serpentard. Ok, fait que je fais comme ça avant. Fais une attaque juste pour un test. Parce que là, ça dit que tu aim normally. Ok, là, reclique sur le. Sharpshooter. Ok, puis là, vas-y, fais-le. Ah, okay. Very careful. Mais ça le fait juste sur mon deuxième? Non, ça le fait sur tout. Ouais, ok, ouais, là t'as ton moins 5, c'est bon. Fait que si tu veux, okay. Tu peux toujours être en sharpshooter. Tu vas faire 10 dégâts de plus. Ben oui. Non, là c'est correct parce que je me suis fait dire de pas tuer. Ok, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que tu l'actives et que tu le désactives. Parfait. Donc, j'entends les oiseaux, là. Ouais, hein, c'est peut-être moi qui a mis un background de musique. Ou dans la tune de Travis Savoy, il y a comme moi, des. Moi, ça chante dans ma cour depuis tantôt. Puis des petits oiseaux. Ouais. Probablement ça. Donc, Bro est pas là, mais je vais l'attaquer. Puis il est en rage, hein. Je sais pas s'il l'a activé. Ouais, il l'a activé. Fait que 16. 16, ça touche. J'y fais donc une fois mon dégât. Oh, damn. La moitié. Puis, il faut qu'il fasse... il est grapple, c'est vrai. Oh shit, il est grapple. Puis, il l'amène. Ouais, c'est faut que tu prennes une action pour te sortir. C'est pas sur le, c'est comme automatique. Fait qu'en gros on voit la créature grappler Bro puis la porter là-bas. Ouais. Okay. Exactement. Comme l'autre a fait avec Brian. Ça va bien. Fait que moi j'ai un save de wisdom à la fin de mon tour, right? Ouais, me semble. Comment j'ai fait pour être grapplé là? Il t'a touché, il t'a mordu, puis c'est automatique, il n'y a pas de save, c'était grapplé. C'est la même chose que Brian qui est arrivé. Ouais, à la fin de ton. J'ai pas mon save, à moins que ça soit en bas de 10. Non, c'est 17. Et le deuxième aussi va faire son save. Wisdom saving. Il l'a pas non plus, il reste. Brillant. Si tu veux, tu peux essayer de te sortir avec un acrobatique ou un athlétique. Oui, je vais essayer de me sortir. Je vais prendre un acrobatique. Yeah. Yeah. Ouais, tout à fait. Ça marche. Tu. Oh, excuse-moi, vas-y. Oui, non, c'est beau, tu n'es plus grapple. Puis ça, c'était mon action, right? Non. Non, je vous laisse de même. Okay. Il y en a quand même trois, là. Ok. Ok. Ben là. Je prends ma bonus. Je vais commencer par le frapper avec ma rapière. On va faire un sneak. Mm-hmm. Ah, ça se peut.
Ouais, ça touche. Ok, cool. Faire ton dégât. Ça, c'est-tu le même que j'avais attaqué la dernière fois? Non, c'en est un autre. Ok. 23. Il est pas fort, mais il est pas mort. Et que. Et je veux prendre ma bonus pour prendre une potion. Parfait. Je peux-tu faire ça à partir de Foundry ou faut que j'aille sur D&D Beyond? Tu peux tout à fait le faire à partir de Foundry. Soit dans ton inventaire. Oui. Puis tu trouves dans les consommables, il me semble. Ouais, consommables, Potion of Healing, clique sur le D. Ah! Ouh! Ok, le D. Ouais, quand, ah, tu, ben oui, ben quand oui. Tu hover sur le nom. Usability. Healing. Ah! Oh, fuck! Bon. Ah, ça s'ajoute automatique ou non, faut que je l'ajoute quand même. Hein? Mais ouais. si t'avais de ton truc de cliquer puis t'avais fait healing, je pense que oui, par contre. Je suis pas sûr. Ben, je l'ai fait tantôt, je sais pas si ça a marché, mais. Ouais, tu l'as juste fait une fois. Ok. T'étais à 3 points de vie. T'es rendu à 9. Alright, merci. Aberos, c'est à toi. Oui. Donc, je vais rentrer dans la pièce ici. Fireball. pas exactement. Je vais essayer de quoi de nouveau, en fait. Que soudainement, il y a comme les étoiles de Smara qui commencent à flasher plus. Puis, soudainement, attends, il faut juste jouer le nombre. Plus. Fait que c'est. C'est. Magic Messer, c'est un des 4 par niveau, c'est ça? C'est un des 4. C'est un. Un missile. 3 missiles niveau 1, puis plus un missile après ça par niveau. Okay. Est-ce que c'est 4 niveau 1? 4. So 4 plus 4, 8. 8 missiles qui partent. Dans des directions. Parfait. Fait que tu veux-tu les rouler tout individuellement ou tu veux prendre. Ouais. Ouais, hein? Ouais. Fait que 2 sur le premier ici. Je vais commencer par lui parce que j'ai cru comprendre que c'était celui qui était vraiment moins fort. Je peux pas encore dire qu'un autre coup comme ça puis il serait mort par contre. Fait que mais... c'est plus 4 pour 7. Mais plus... un autre coup comme ça puis il serait mort. 3. Un nombre de bord. Il est mort. 3 de plus. Après ça, lui, il est en train de tenir Bro, c'est ça? Oui, lui est en train de tenir Bro. Ça peut-tu aider Bro à se déprendre de ça si je fais du dégât? Ou... pas vraiment, non. À moins que t'aies de quoi qu'il ferait bouger. C'est comme un Thunder Wave, par exemple. Ok, je vais en lancer deux sur lui, puis tout le reste sur un check. On va faire un petit peu de dommage à tout le monde. Parfait. Ok, 4. Plus 4, 8 pour lui. Parfait. Après ça, 4 pour lui. Deux pour lui. Pour lui. Et finalement, 3 pour lui. C'était comme full symétrique ton affaire. Yes! C'est juste des Magic Messers qui sont partis dans toutes les directions. Vraiment un show de lumière épatant. Yes. Et c'était tout. Luciano. Et... je vais. Est-ce que je peux viser celui qui tient Bro en Guiding Bolt sans blesser Bro? Tout à fait. Donc je lance Guiding Bolt avec un crit. Nice. Donc attention créature. 48. 48. Ben 18 plus 30. Holy shit. 48. Écoute, ça fait que Bro, t'es plus grapple fuck out. Là, comme 48 points de vie, c'est un peu. Points de dégâts, c'est assez pour y faire vraiment mal.
tu vois qu'il tombe à terre, puis il se relève difficilement. Il y a des petits éclairs un peu sur lui, tu sais, parce qu'il y a des short circuits dans sa carapace. Puis il lance une espèce d'énorme cri, un peu comme un speaker qui a du micro qui passe proche. Et ben, Brian le fera quand elle va revenir, mais Raph, à ce moment-là, oui. Tu sens dans ton sac le bébé Skidder Widget commencer à s'exciter. Je te demanderais de me faire un Animal Handling. Pourquoi il s'excite? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de crier. Une des bébites vient de crier? Une des bébites, ouais. OK. Ça donne quoi, mon Animal Handling? Il a pas roulé. Ça donne très bien, ça donne bien. Au même instant qu'il commence à bouger dans ton sac, tu mets ta main et tu comme le flattes. Exactement. Je lui donne genre de la bouffe, mais même si ça m'a pas de bouffe. Puis tu sais, tu vois qu'il regarde la bouffe, puis il la met dans sa bouche, puis il fait juste se coucher un peu plus après, réconforté. Ça va aller. Fait qu'il y a pas de problème. Puis on va essayer de s'en souvenir quand que Brian va revenir. Ça va nous revenir d'en faire ces bébites-là. Ouais, check bien le Animal Handling de Brian. Et voilà. Oh, on va l'avoir drette là. T'es mute, Brian. Oh. On va se tourner de bord et on va l'avoir. Je trouvais que j'arrivais au fucking bon moment. On va se tourner de bord et on va voir Brian avoir comme un Skidget en face hugger dans la face. C'est des kiddie widgets. Un kiddie widget. J'ai trouvé son nom de façon, moi je vais l'appeler Zilly en l'honneur de notre ancien chef Zilana. Oh. Wow. Et Brian, lui, c'est Skittle, c'est ce qu'on a compris tantôt. Skittle, ouais. C'est bon. Justement, il y a quelqu'un de la famille de Skittle qui a reçu un crit de 48 points de dégâts et il a réagi en criant. Ce qui a fait un peu, ce qui a comme un peu excité ton kiddie widget. Et je te demanderais de faire un Animal Handling. S'il te plaît. Ah, ok, c'est pour ça que vous disiez ça. Mm-hmm. Animal Handling. Ah, ben oui, ok. Je savais même pas que j'avais ça. Ok, un, deux, trois. Yeah! Oh, God! C'est un plus zéro en plus. So close du 19. Donc, tu te rends pas vraiment compte de ce qui se passe. Pis... Hey, non, je peux-tu faire un. Je vais utiliser mon inspiration. Vas-y. Yeah. Oh fuck. Oh non. Ça c'est un peu drôle. So sad. Donc tu commences à sentir de quoi, tu sais. Puis quand tu reaches dans ton sac, tu réalises qu'il est plus là. Puis là, tu commences à regarder un peu partout, puis t'en vois pas, tu sais pas il est où, puis soudainement, il saute sur toi, puis il te mord. Ça te fait pas de dégâts, okay, mais tu vas être à désavantage pour ta prochaine attaque. Ok. Inspiration Raph, inspiration Hunter. Yeah. Et puis après ça, tu le remets dans son sac. C'est... Genre, tu fais comme méchant Kiddie Widget, méchant Skittle. Skittle, ouais. Peut t'aider à Brian avec. Ah oui, il faudrait que tu me montres. Oh. Et. Shit. Stunky ouvre la porte et une grande lumière rouge commence à inonder. Vous voyez que la pièce était. Avait une espèce de truc d'alarme à l'intérieur. Et il vous regarde. Puis il fait comme non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que vous allez m'empêcher de protéger le savoir.
Seuls nous. Tout d'un coup, la lumière. Seuls nous. C'est quoi cette lumière-là, guys? Nous sommes ceux qui sont capables de protéger tout le savoir. Et là, je suis juste triste parce qu'Aberros n'est pas là, mais... Aberros et Luciano. Ouais. Et ouais. Oh, damn. Mais... Arrêtez de quitter, man, sans le dire, les amis. Je vais faire un wisdom save pour Aberros. Il a 11. La lumière, c'est malade. Oui, hein? C'est ça. On dirait... Ça me fait penser un peu à Ghostbusters, genre. Oui, c'est... Donc, à ce moment-là, Aberros se transforme en poulet. Oh! Oh! Quoi? Oh my god! Nice! C'est fait ça pour les morts! Exactement bon moment. Wow! It's too bad. Ben donc, Aberros se transforme en poulet. C'est ça. Donc, t'as roulé 11 sur... sur ton saving throw que je t'ai fait rouler. Malheureusement. Puis t'étais pas là pour pouvoir dépenser ou faire quoi que ce soit. Donc. Puis t'avais pas prévenu. Oui? Non, en fait, je poserai pas la question parce que poser la question, c'est inciter la réponse chez les autres. Fait que non, je pose pas la question. C'est bon. Désolé. J'ai rien à dire. Parfait. Donc, fait que ça fait qu'il pointe, Aberros, qui est quand même habillé mage. Il est où, Aberros, sur la map? Je le vois. Oh, il est rendu là, tout petit. Il est rendu tout petit ici, ouais, en haut. Et, Oh! Hunter, c'est l'heure! Faut que tu utilises Aberros comme une flèche! comme dans Hot Shot 2. Oui. Plus ça cache n'importe quoi si vous faites ça, je Raph! Oui! C'est bien, toi. Je vais continuer d'arranger la chose qui est devant moi. Mm-hmm. Pour espérer qu'elle crie pas non plus. Premier vicious sigh. Mais on s'est allé. Mais mes écrans marchent pas. Ça a pas roulé? Non. Et pour expliquer la lumière, là, c'est comme plus intense que ce lait. Là. C'est pensez à une lumière de. T'sais, d'un but de hockey. Là. Oh, nice. T'sais, qui tourne. Là, ça. Fait que 26, je le pogne-tu? Oui, tout à fait. 12. Je fais 12. Ça y fait mal. C'est-tu que son tannant de pas tomber? Un autre coup? Ah non, mais c'est fait en métal, cette affaire-là. Là. C'est beef. Là. Ouh! C'est ça un autre crit? Yes! Colin! Oh my god! Yes! Fait que ça 23. Fait quoi? Parce que ça a fonctionné quand on voit le script que ton. Un de tes viewers nous a conseillé de faire là, pour hacker nos dés. Là. Fait que j'ai fait 39, j'espère qu'il meurt. Non, mais tu l'entends qui crie. Tabarnak, ils ont combien de points de vie ces affaires-là? Oh my god! Ça fait 2,39, j'y fais. Watchez vos bébés. Donc, Raph et Brillant, je vous demanderai les deux de me faire un. Ben, en fait, Brillant, t'es déjà à désavantage pour ta prochaine attaque. Ah ouais, ok. Fait que j'ai pas besoin de rouler. J'ai 18 d'Animal Handling. Ok. Bah, oh, t'es correct. Je suis comme. Chut, attends un petit peu, je vais tuer ton grand-papa. Là, je donne un. Ah oh, oui, t'as pas fini, c'est vrai. Non, bonus action. Je fais un Fury of Blows. Ah oui, tu peux clairement le tuer, là. Genre, il y a des boulons partout, là. C'est ça, ouais, c'est deux en arme que je rajoute avec un. Ouais. C'est ça. Ah, il fait longtemps qu'on a pas joué, désolé. Yeah. Premier shot 26. Deuxième shot 26. Oh my god. Ben, tu réussis à le tuer avec les deux attaques que tu fais. Mais ça prend bon. Les deux. Oui, c'est bon. Fait que là, je suis comme. Tu sais, je bûche du métal. Je suis comme. J'ai ça, laissez du métal de merde. Puis là, ben, quand il est à terre, la bébite, je fais. Chut, ça va. Toi, je te ferai jamais ça. Je te ferai jamais ça, Zilly. Toi, t'es avec moi pour la vie, Zilly. Puis après, c'est que mon mouvement. Avec mon mouvement, je vais aller prendre Aberros. Je vais aller me déplacer à côté. Toi, tu t'ennuies de DCC, hein, avec ta poule. Oui, c'est ça. Puis là, je fais comme. Tu sais, je pointe vers la poule, puis je suis comme. Viens dans mes bras. Mais ça, c'est mon action. Tu peux l'appeler Benjamin. Je vais l'appeler Benjamin. Vraiment, je veux prendre Aberros dans mes bras. Bro. Ok, bonus action. Je fais mon Terry Form. Mm-hmm.
Ok. Après ça. Attends, j'ai juste validé que j'avais assez de Wild Shape. Ouais, c'est beau. Après ça. C'est qui a casté là, contre Averos là? Quelqu'un qui était dans la pièce qui flash en rouge, mais que tu ne vois plus. Qu'on voit plus, que je vois plus? Non, puis il est pas sorti. Ok. Je vais déplacer ici. Ici. Puis là, je le vois. Ben oui, il est comme juste à côté de toi. Tu vois que c'est un homme quand même assez rachistique, mais qui est clairement un concierge. Mais qui a des grosses lunettes. Puis tu vois qu'il y a comme de la folie dans son regard, oui, mais il y a aussi quand même une certaine. Intelligence. Ouais, plus. Ouais, non, pas une sagesse, plus une certaine intelligence. C'est comme un savant fou. Ok, je le grapple. Parfait. Fait que. Athlétique. Ah tiens, je vais me mettre à avantage parce que j'ai reçu des trucs. Ça sert absolument à rien que je me mette à avantage là-dessus. Donc non. J'ai moins 1 sur mon roll en plus. Fait que... Donc ouais, il est grapplé. Ok, je le grapple. J'ai dit le savoir, ça appartient à tout le monde. C'est fait pour être partagé. Non. Non, vraiment pas. Coup de roche verbal d'en face. T'étais à avantage. Non, c'est vrai, t'étais pas le grappler, excuse. 12, ouais. Ça touche. Ça touche. 11 de dégâts. Puis ça va. Être... Ça. Puis j'ai plus de bonus. C'est beau. C'est fini pour moi. Mais tu peux, si tu veux, tu peux le tirer jusqu'au milieu. Non, je vais rester ici. Attends un peu, j'ai pas fait mon save de conseil. Ça va, je le vois pas. Ok, je vais l'emmener à distance. Je vais l'emmener devant moi, juste ici. Parfait. Là, c'était celui qui est à côté de toi. Il va faire un shocking grasp. Sur toi. Sur moi? Ouais, sur toi. C'est un spell, ça? Ouais. Est-ce que t'as une armure de métal? Non, j'ai des bobettes. D'armure. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que 20 te touche? Ouais, ça me touche. Et il te fait 7 points de dégâts et tu ne peux pas prendre de réaction jusqu'à la fin de ton tour. Ah, le petit coquin. Il va s'en aller. Hunter. Oh, je vais m'essayer sur... Je peux pas prendre de réaction, t'as dit, hein? Ouais. Exact. Je clique sur Sharpshooter avant. T'es déjà dessus, là. Ok, fait que je l'ai actionné tantôt, c'est ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, je comprends. Okay. Oh, yark. Malheureusement, non. Mais là, arrête de le faire bouger. Mais, si t'avais pas été Sharpshooter, tu l'aurais eu. C'est un ou l'autre, hein? Ouais. Okay, je vais le réessayer encore. On va voir si je suis capable. Oh! Yeah! Ouais! 15, ça touche! Tu peux faire ton dégât. C'est le ya, hein, qu'il faut rajouter. Ah, oh, ouais. Toujours. Yeah! C'est là que Sharpshooter, il rentre. Au dégât. Le 3d6, je comprends pas là. C'est comme si t'avais un sneak attack dessus. Oh. Fait que c'est 21. Non, je l'ai pas cassé dessus. Ah. Fait que 21. Ben ça doit être pour ça. Ok. Un autre coup comme ça et il serait mort. Oh my god, c'est l'histoire, la chanson de Hunter. Ben il te reste quand même un autre coup. Non. Fait que... non, ben j'ai manqué le premier. Ah oui, c'est vrai, ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes là? Non, je suis correct là. Lui est. Non,
Non, c'est bon, je reste là. C'est bon? Oui. Excellent. Fait que, bro, je vais essayer de t'attaquer. Eh, bye bye. Oh! 25, ça, ça te touche, par contre? Yes. Donc, le Skitter Widget te remarre pour un gros 9 points de dégâts. Et vous êtes... ben, il te grapple, puis toi, tu grapples, Stunky. vous êtes tous pognés ensemble en ce moment. Tel un creature centipede. Wow. Donc, lui va faire son save de wisdom. Est-ce qu'ils sont fuck-out? Je trouve ça tellement drôle. Ils ont comme quand même des plus, mais bon. Lui n'est plus paralysé. Dans le coin sud. 7 et plus. Ouais, je roulais genre des 1 puis des 2 depuis le début. Brillant, c'est à ton tour. Oui. On avait déterminé que eux, ils étaient paralysés, c'est ça? Ceux qui sont à droite? Juste celui en haut. En haut? Ok, ben ouais, dans ça, notre ouais. haut. Okay, ouais, exactement. Kiki. Bro, je m'en viens t'aider. J'ai-tu de l'air d'un gars qui a besoin d'aide? Non. Ok, bon, je sais pas, là, ok. Je vais faire un coup de rapière de sneak à celle-là. Celle-là, c'est lequel? Yeah. Oh, fuck. Ah, c'est pas si pire. Lui, en face de moi. Ok. Excuse-moi. 16, je ne pense pas que tu touches. Non. Ta rapière se fracasse sur sa carapace. Ok, ben je vais lui donner un coup de dague d'abord. Mais certainement. Yeah! Ouais, tu peux faire ton okay. dégât, cool. puis enlever 4 dégâts. De... Bye Raphaël. Bonne nuit. Bye bye, bonne nuit. Donc 13. Ouais, c'est pas ton meilleur, hein? Non. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu restes là? Ben oui, parce que je veux pas qu'il y ait d'attaque d'opportunité, merci. Mais le gars qui est ici, il est grapple. Ouais, mais lui, il est pas grapple. Non, sauf que tu l'as attaqué, fait que tant que tu l'as attaqué, t'as l'équivalent d'un disengage avec lui. Oh! Ben oui, je me désengage de bord. Non, c'est ça. Je peux-tu me désengager plus que ça? Oh, oui. Lui ici, il a bien même pas d'arme dans ses mains. Je veux pas t'attaquer. Désengage-le. C'est bon. Abeiros, tu es un poulet. Tu peux me faire ton round de poulet ou tu peux me faire un wisdom save à la fin de ton tour. Je veux un round de poulet. Pout, 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 oui! Que désirez-vous? Ben, y a Raph qui veut que je saute d'un bras, fait que je vais sauter d'un bras. Puis après ça, on va faire mon safe. J'espère secrètement que tu redeviennes gros, puis que quand ils reviennent, ils voient pas son token, puis qu'ils sont comme « Hey, je suis où, les boys? » C'était Wisdom, hein? Est-ce que tu acceptes? J'accepte. Ce n'est pas assez. Bon. Tu restes un poulet. Je reste un poulet dans les bras de Raph. Exact. Luciano. Luciano s'en va à côté de Mini Abeiros Poule. Il met sa main sur sa petite tête. il flatte un peu ses plumes puis il dit « Au son du coq, tu te retransformeras en Abeiros. » Je vais faire Dispel Magic niveau 4. Oh, wow. Bon, ben parfait. Ça le dispel. C'est malade. Puis là, t'es dans les bras à Raph. Mais c'est ça. C'est dans les bras à Raph. Mais de façon... t'sais, pas awkward, là. Ah non, ok. Classique, là. Raph, il l'a dans les mains, puis il tombe par terre sous le poids d'Abeiros.
Non, Aberos, il est gros comme un brin. Ouais, je suis pas si lourd que ça. Fait que, est-ce que tu fais autre chose, Luciano? Non. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je ne suis plus concentré. J'exige que vous me lâchiez. Ma mission est plus importante que ce que vous faites. Il te regarde, puis il fait... Retourne d'où tu viens, toi! Puis il essaie de te donner un coup sur ta tête. Et je te demanderais, s'il te plaît, de me faire un save de charisme, bro. Oh shit, it's called banishment. Oh my god! Eh hey boy, c'est justement mon forte. 12. C'est correct. Oh my god! Ouais. C'était 12 qu'il fallait. Donc tu restes là et il est toujours grapple par toi. T'as peur, toi? Pourquoi tu me frappes sur la tête, là? Calme tes nerfs. Que Raph est pas là. Fait que bro, ouais, justement, c'est ça. Tu lui dis de se calmer les nerfs. Écoute, ça joue à deux, ce petit jeu-là. je vais lui donner un beau petit coup sur la tête, moi aussi, avec une roche vorpale. On doit le garder vivant, c'est le chef du groupe. Ouais, c'est ça. 22, fait que 22. Pour 12 points. Ouais. Tu vois qu'un autre coup comme ça, il serait mort. Puis, je vais lui donner... Un autre coup de roche vorpale, mais c'est ça. Oh, c'est 14? Ouais, et tu le tues? Mais je voulais pas le tuer, là. C'est un... Tu veux le garder inconscient? C'est un non-lethal, c'est ça. Parfait. Puis, à côté de moi, j'en ai un autre. Ouais, mais là t'as fait... déjà... Ah oui, c'est vrai, t'as ta bonus, c'est vrai. Excuse. Puis là, je me retourne, puis je vais donner un coup de corne à celle qui est à côté de moi. 7. Il se tasse. Bon. Puis je vais utiliser mon déplacement pour aller me placer... ici. Très certainement. Puis il y a sûrement une attaque d'opportunité sur moi, là. Ah ouais, c'est vrai, en plus. Hein. On va essayer. 18? Oui. Un gros 6 points de dégâts. Okay. Puis t'es pas grapple parce que t'es en train de te déplacer. Fait que... C'est comme pas dans ton tour. Donc maintenant, c'est à moi. Vraiment. Il s'en vient devant toi, Luciano, puis il va essayer de t'électrocuter. Shit. Est-ce que tu portes une armure de métal? Oui. Ouais, je pense que t'es en métal. C'est l'armure de Tribord, je pense. Ah, oui. Est-ce que tu peux te faire... attention, Luciano, à toi, parce que j'ai un crit. Je crois que oui, laisse-moi vérifier. Je l'imagine s'auto-avertir. Attention, Luciano! Ouais, you are a creature. Parfait. Fait qu'un dommage normal. Je t'ai fait un gros oui, 9 mais... de oui, light. J'ai. Je vais lui faire rouler un petit. Je vais rouler un des 20. Ok. Ouais, je vais donner 14. Parfait, fait que 20 ça touche. Ouais. Fait que 9 points de lightning et tu ne peux pas prendre de réaction pendant ce tour maintenant. Il sera pas long parce qu'il faut que je fasse un concentration qui devrait apparaître. Non, t'as peur. Je vais revenir là. Ah, c'est pas apparu. Fait que ouais, c'est... moi aussi, mais il l'a pas fait tout le temps, c'était weird. C'est-tu un con saving throw? Con saving throw à 10.
C'est raté. Et c'est je vais reprendre un... Un lucky. Un lucky. Je pense que je n'ai pas de limite partout, je pense. Non, 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 tu peux toutes les brûler. Je l'ai. J'étais correct. Excellent. Donc, Hunter, c'est à toi. Oui, ce qui me reste au menu. Plein de monde. Ouais. Il y a juste lui ici qui est inconscient. Ah, t'as dit, je peux pas prendre de réaction. Ouais. Puis lui, est encore paralysé. Mm-hmm. Donc, je vais aller pour... Je vais faire la créature ici, là. Parfait. En fait, Raph, t'es mort. Non? Ok. Raph est mort. En fait, Pat, tu tiens Aberros dans tes mains en ce moment. Qui est redevenu grand. Regarde, j'ai comme... J'ai solidement perdu mon action parce que je tiens mon l'autre dans mes roulement. Bras. Nice. Okay. Non, tu vas pouvoir jouer après Hunter. Non, en fait, j'aime l'idée. J'aime l'idée que j'ai perdu mon action à prendre la poule qui s'est transformée en humain. Bah, bon, en fait, c'est Aberros qui a utilisé son action pour monter dans tes bras. Ah! Oh. Oh. Fait que c'était-tu un ben, le un premier, c'était 9. Oui. Okay. Oh non, j'ai pas pensé de faire ça. C'est mon deuxième, c'est ma deuxième, deuxième action. Attaque. Ok, ouais. Parfait. Donc, tu peux faire ton dégât. Pas mal sûr que t'es dessus. Ok, pourquoi t'as 3d6? 1, 2, 3, 4, j'ai... Ah oui, 4d6. Le 3d6 a pas rapport, 3D6. Là. T'as comme un 9 de plus qui a pas rapport, fait que... 20... On va mettre ça dans... Il est mort. Tu l'as tué. Yeah! Tout seul! Tout seul? Wow! Comme une grande. Ah bah ouais. Pat... Merci Sharpshooter, merci Luciano. Moi je pense que ça mérite une main d'applaudissement pour Hunter qui a tué. Ben c'est Luciano qui m'a rappelé que j'avais le. Sharpshooter. Mon Sharpshooter. Ouais. Ah, ben peut-être je t'ai fait manquer un roll tantôt précédent. Bon, voilà. Ça va à peine, n'est-ce une bébite. Merci. Nice. Ben moi je. Non, mais j'aurais, dans mon tour avec mon action, j'aurais essayé de prendre la poule dans mes bras. Mais il est juste avant moi, puis il est allé dans mes bras, puis il s'est transformé après, c'est ça? Ouais, Luciano, ouais. Tout ça, après, est venu dispel la magie. Ah, oh, ok. Bon, ben, je fais, ok, ben... Ben, est-ce que j'ai une action ou pas? Ouais, t'as ton tour. Ah, ok. Bon, t'es safe, c'est correct, Aberros. Puis je m'en vais. Ça, c'est mort. C'est la quoi pièce, qui fait là. La lumière? Qui est encore vivant? Ah, il y a des espèce... old. C'est une espèce de lumière, un peu comme un but de hockey, là, tu sais, une alarme. Tourne dans. Ok, ben je vais aller là, je vais frapper lui. Ben certainement, t'es à avantage lui, parce il est paralysé. Que. Puis ah, il faut-tu pas le frapper? Non, non, ça change rien. Ok. Mais un avantage. Avantage, puis si tu touches, c'est un crit automatique. Fait que 18 ou 24, 24 touches, tu peux faire ton dommage en crit. Ah, ok, tu l'as déjà en fait. 11 plus 12, mon... ouais, ça fait 23 plus ton 39. Comme mon classique de crit ce soir. Je fais un crit, je fais 39. Fait que t'arrives et tu le stabs dans le cou. Yes. Avec ton truc et tu le vois qui tombe au sol, mort. Je fais fuck, fallait pas y tuer. Bah, vous en avez un. Ok. Je m'excuse, bro. C'est des choses qui arrivent. J'ai fait 20 feet, tu sais, il me reste 25 feet. Lui est paralysé? Non. Lui il est correct? Lui il est correct, lui il est correct. Ah oh, ben là, avec mon autre attaque, ouais, j'attaque celui lui. Celui en bas, il s'est déparalysé. Deuxième attaque, je vais attaquer lui. Mm-hmm. Ah, oh, j'ai 22, est-ce que ouais, tout à fait, pour un gros 15. Ouais, puis. Est-ce que tu veux ne pas le tuer? Oui, je veux pas le tuer, lui. Parfait. Puis, je fais-tu un autre coup de. Ouais, je vais faire un arm, mais juste un. Je ferai pas un Fury of Blows. Sur qui? Sur le main. Ah non, il est mort, laisse faire. Ouais. Ben, il est comme inconscient. C'est bon, je l'ai pas bichard. C'est ça, je rebiche pas, là. Double tap. Ouais, c'est ça. Fuck. Fait que ça, c'est ton tour. Oui. Maintenant, c'est à moi.
Donc, lui. Rendez-vous! Vous êtes entouré! Et à côté de toi, non. Brillant. Non. Puis, il fait... Est-ce que vous avez déjà entendu parler du culte du bétail? Puis il te met ta main comme ça, puis là tu t'en vas, puis tu lui serres la main. Oh, je lui serre la main! Ben on va voir, est-ce que tu lui serres la main? Pardon! Est-ce que moi, 17... j'ai prêté allégeance à Est-ce que 17 te touche? Ah non, attends, je pense que oui. Attends. Ouais, ça me touche, le Fait que tu vois que t'essaies d'enlever ta main, mais il est plus rapide que toi, puis il prend ta main, puis il fait shocking grasp. Et il te shock pour un gros 12 points de lightning et tu ne peux pas prendre de réaction ce tour-ci. Est-ce que je peux utiliser mon skills pour cut in half et damage? Okay. J'imagine que le fameux tour de farce et attrape, là, l'espèce de pile dans la main qui électrifie, là. Ça vient tellement c'est de là. Vrai. Oh lord. Oh lord. Brillant, c'est à toi justement. Ah, c'est à moi. J'en ai-tu d'autres potions of healing? J'étais un peu rendu là. Attendons une minute. Ah oui, oui, oui. Oui, j'en ai. J'en prends une. Perfect. C'est vrai, t'en avais deux. Ça, j'avais vu tantôt. En fait, il va m'en rester une après ça. T'en as pas pris deux tantôt? Yes! T'en as pas pris une? Ben, c'est ça, puis c'était marqué entre parenthèses 2. Ben non, parce que là, c'était marqué entre parenthèses 2, puis je viens de cliquer, puis il m'en reste une. Ok. Cool. 9. 9, merveilleux. Puis je vais le poursuivre. 5, 10, 15, 20. Ok, ben 15. Il a fermé la porte? Ouais. Je l'ouvre pis je fais yeah! Avec ma rapière. Oui. Pis. Oh, oups, c'est pas celle-là, excusez, je me suis trompé de piton. Avec ma rapière. Yeah! Ouais, 17, ça touche. Ah oui! Ok. Bon, tu peux faire ton dégât. Yes. Yeah! Pas super. Que tu le tues. Ah non. Fallait pas, hein? Donc, tu lui fais, tu fais plus que son total de de points de vie. Ah non. C'est un peu comme l'autre que Raph a crité dessus. Ah, au pire, Luciano, il fera Rise the Dead, là, ou je sais plus quoi, là. Spur the Dying, mais là, il y en a deux à faire, là. Ah, shit. Fait que... Il est mort. Bon. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres ennemis? Moi, j'en vois pas d'autres, là. Non. Mais... Je suis capable de voir, à partir de où est-ce que je suis, d'où provient cette lumière-là, puis pourquoi? Oui, tout à fait. Sur le top, genre sur le plafond de cette pièce-là, tu vois qu'il y a un espèce de gyrophare rouge qui tourne sans arrêt, qui illumine la pièce, et tu vois que au milieu il y a un bureau de travail fait en métal avec des leviers, puis un énorme countdown qui marque 29 minutes 34 secondes, et le combat est terminé à ce moment-ci. On va faire une petite pause. Non, mais vous allez comprendre, on va faire une petite pause de jusqu'à 8 heures. Puis c'est juste pour remplir nos trucs et tout ça, parce qu'après ça, on va tomber en temps réel. Donc, nice. Il va rester ce temps-là pour empêcher la tour de partir. Donc, Aberos, est-ce que tu peux nous mettre sur la pub juste pour quelques instants? Bien sûr.
Yo les jeunes, on est de retour. Salut Seb, j'espère que ça va bien. Si j'étais pas pauvre, c'est ce que je dirais oui à tous tes projets. Tout ce que j'avais à dire. Donnez-moi de l'argent sur PayPal, puis je vais... Tout le donner à Seb Rollin. Je vais tout le donner à Seb Rollin, puis je vais aller à Pico, moi aussi. Donc oui, donc vous êtes en avant de la porte. Tout le monde sont inconscients, stabilisés. Tout va bien. Ouais, c'est ça. C'est... c'était plus tant important. Ok. Fait que là, on est tout au courant qu'il y a un countdown, puis on sait ça, là. Ben, vous saviez que vous restez à peu près... La dernière fois que vous m'avez demandé combien de temps est-ce qu'il restait, vous étiez aux alentours de 45 minutes. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était vers 9h15. Luciano, il est en mode comme action, fait que il essaie de faire, même si ça fonctionne pas, ben tout bad. Là, il fait spare the dying sur les deux qui ont été tués. Mm-hmm. Il fait après ça mass healing word. Tout se passe super rapidement, fait que tout le monde gagne 8 HP. Mm-hmm. Et il propose au groupe ok, bro, puis Brian, vous pourriez aller dans le petit bureau en face, aller voir des papiers s'il y a de l'information sur les fusées. Moi, Raph, puis Hunter. Puis Aberos, ou Aberos, tu peux faire ce que tu veux. On essaie d'attacher les autres rapidement, puis... Allez voir les autres pièces aussi, il y avait d'autres portes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vais vite, moi, je peux aller voir. OK, vas-y. Je vais venir avec toi. Je pars à la course, puis je m'enfarge d'une table. Excusez, je suis nerveux, je repars. OK, ben moi, puis Hunter, on va attacher les autres. Parfait. Fait que on est dans ce coin-là. Je pense à côté de la Berra, j'ai le Luciano, il m'attache? Hunter, c'est pas le temps! Ça va être à soir. Oh, okay. Damn! J'ai failli le dire, mais je me suis dit que Luciano ne l'aurait pas dit. Ok. Tu vois quelque chose dans les petits papiers sur le bureau? Ouais, mais moi, je vais aider Brian à fouiller. Écoute, tu trouves... un comment on appelle ça, le bouton turn off. Non, un safe à côté du bureau. Okay. Et à travers les papiers qui te semblent inutiles, tu trouves une note en gnome, et Stunky était un gnome. Parles-tu le gnome? Je parle à Bruno. Oh merde, ben là je l'ai mis. Attends un peu, on va l'enlever. Non, fait que je parle pas le gnome. Fuck! J'ai peur de pas te lire! Attends, on va aller sur Twitch, on va faire un screenshot. J'aime ça, Julien, il a remonté le truc, je pense. Damn! Ok, bon. Si vous... Est-ce que vous criez ça? Ouais, ben, je le dis à voix haute, là, ça c'est okay, sûr. Ben, je parle le gnome, demandez-moi pas pourquoi, mais je parle le gnome. Ok, ben. Luciano, viens ici! C'est clairement relié à ton passé de joueur. Ok, ben. Moi, j'aimerais voir ce one shot là. Comment que Luciano il a appris le gnome. J'ai choisi ça en création du personnage. Ça va non, servir au moins une fois. Fait que je finis d'en attacher un. Mm-hmm. Je sais pas si tu veux que je fasse un jeu ou. Non, ils sont bien attachés. Ah ouais, vous voyez aussi que sur le truc, il y a encore le décompte qui descend, comme quoi qu'il reste 26 minutes. Vas-y, bro. Pendant que Luciano il essaye de décrypter puis de nous lire ça, on va essayer d'ouvrir le coffre, moi puis Brian. Ouais. Je fais quoi? Écoute, avec ton investigation à crit, il n'y a pas de problème. Tu vois que c'est... un safe qui a été protégé magiquement. Ah, oh, calice. Tu sais que la dernière fois que vous aviez eu ça, il y avait une porte, soit vous l'aviez dispellée, mais Bro l'a juste traversé aussi. Okay. Donc, peut-être qu'il pourrait juste casser le safe. Et Bro, il va verger sur le safe comme un J'aime pas débile. Ce ton de voix-là. Ben non, mais je... Non, moi, il me reste des sorts. Ça me rend nerveuse.
Fait que je peux. Tu me donnes le droit de défoncer le safe? De faire un athlétique, ouais. Oh my god, right. Non! Non, bro! Non! Quoi? Attends, laisse Luciano faire, on va essayer. Ok, Luciano, vas-y, essaye-toi. Ok, ben là, juste avant, sur la feuille, ça dit. Co-op tirait abort. Après ça, il y a un autre. Il y a comme trois codes différents. Il y a shed qui est delay, puis il y a stable qui tirait blast off. Fait que je sais pas trop, mais faut faire abort là. Ou okay. Delay au minimum. Okay. C'est les codes pour la fusée. Ok, ben c'est le code co-op qu'il faut mettre. T'es-tu capable de débarrer le coffre avec tes. Je suis capable de faire ouais, non, je pourrais jamais savoir c'est quel niveau de sort là. Tu t'attends à ce que ce soit un Arcane Lock. C'est niveau 2. Ok. Bon ben je vais faire Dispel Magic. Parfait. C'est dispellé et le tu peux maintenant essayer de l'ouvrir avec des outils de voleur sans problème. Cool. Fait que je sors mon kit. Puis là je vais rouler un stealth là, mais on s'imagine que c'est mon, ouais. Mon petit kit là. Yeah. Brian, ça a pas l'air de marcher ton affaire. Le torse-toi de là, on n'a pas le temps de niaiser. Ok, c'est bon. Laisse-moi utiliser mes outils de voleur. Ok, c'est bon. On va t'as entendu un clic? Comme quoi que c'était débarré. Câlisse. Ah, ça a débarré. Ça a débarré. J'attendais de voir si vous dépensiez des choses dessus. Ah. Oh. Good. Donc, à l'intérieur, tu trouves une. Comment on appelle ça? Une wand, mais c'est un spell focus, là. C'est pas. C'est pas une magic wand. Puis un brass locket. Tu sais, une espèce de collier avec une petite. Petit truc là, qui se transporte avec des photos. Mm-hmm. Que t'évalues à peut-être 10 pièces d'or. Bon, je le prends. Puis c'est tout. C'est 10 pièces d'or. C'est tout! C'est tout. Mais tu remarques que. Il y a de la poussière. Dans le coffre et qui a comme une espèce d'endroit où est-ce que il y avait peut-être une pile d'objets carrés ou rectangulaires. On a perdu quelqu'un. Ouais, on va fouiller le vieux mage. Ah, c'est bon ça. Pendant qu'il fait ça, moi je check voir s'il y a pas un double fond ou quelque chose là. Parfait, vas-y, fais-moi une perception ou une investigation. En passant, tout le monde m'avait entendu tantôt quand j'ai dit que vous étiez tous guéris de 8. Hein? Oui. Ouais, merci. Et merci beaucoup, Luciane. Il n'y a pas de double fond. Oui. Bon, fait que je m'en vais rejoindre, bro. On fouille le vieux mage. Parfait. Donc, sur le vieux mage, vous trouvez une clé qui semble être la clé pour débarrer les portes. Un manifeste, tu sais, comme une liste de livres qui sont sur lui, ainsi que le plan d'un skitter widget. Ok. Ok. Ben, je prends la clé. Mm-hmm. On prend tout, là, puis on décalisse. Ouais, ouais. Très bonjour, Pat. Ça va rejoindre les autres. Luciano! Ouais. Dis-leur qu'est-ce que t'as trouvé là, faut se dépêcher, faut aller abort la mission. Ok, ok. Fait que pendant ce temps-là, de l'autre côté, Raph et Aberos, vous allez à la première porte. Quand vous l'ouvrez, tout de suite vous êtes assaillis d'une odeur de décomposition et de putréfaction avancée. Ça semble venir d'un espèce de puits en plein milieu. Yeah. On va-tu voir, Raph? Ben, je vais aller voir Ressuscite. Puis je regarde juste comme par-dessus, genre. Ouais. Fait quoi que ça? Tu vois que c'est une espèce de bassine avec un liquide qui est vert et des eaux dans le fond. Puis il y a une espèce de contour un peu comme de la mousse
de gras, là, tu sais, quand tu fais cuire, quand tu fais bouillir de quoi, là, sur le contour, puis ça, c'est clairement de là que ça vient, l'odeur. Puis y a-t-il un levier? Oui, il y a un levier, c'est ça. Il y a un levier en arrière. Qui, c'est ça, qui pointe en ce moment vers un des côtés. Je regarde Béros, puis je fais... Tu veux que je prenne le levier, puis je vais le mettre de l'autre bord? Je sors mon paravent, puis je fais « Ouais, vas-y! » C'est rafle, my God, c'est rafle! Non, non, mais on le fait tout, on le fait pas? Ouais, ouais. Ben, on sait... Je suis curieux de savoir, ça. Ça me dit-tu de quoi, Joe? J'ai-tu déjà vu ça? Ah, c'est de l'acide. Ouais. Mais ça va aller où, cet acide-là? Genre, si je joue avec le levier, ça va te faire lever l'acide ou tomber l'acide, tu penses? J'en ai étudié le mécanisme. Je peux te faire... Non, on n'a pas le temps, c'est pas grave, on va aller voir l'autre pièce. Je peux-tu... J'ai-tu le temps, genre, de comme d'arriver et faire comme... On n'est pas encore là, je pense. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Non, ouais, ben là pas, vous êtes bon vous timing. Êtes tous, vous êtes tous là en même temps. Okay. Quand t'arrives, je fais... Je pense qu'il y a de l'acide, il y a un levier. Abéros, il voulait s'installer comme quand il fait ses cérémonies super longues, mais on a vraiment pas le temps. Fait que, on s'en va voir les autres portes. Luciano arrive en arrière. Co-op! Co-op! Attends, je vais faire une investigation. Ouais, vas-y. Tu vois, quand t'es arrêté de faire une investigation, moi, je fais juste ouvrir une porte. Ah non! T'es. Il y a un piège. Ah, il y a un piège, ok. Oh, ouais. Je peux-tu le désarmer? Est-ce que je veux le désarmer? Est-ce combien de temps ça me prend de désarmer un piège? Celui-là, ça va te prendre un bon 5 minutes. Ah. C'est un piège vraiment élaboré. On est-tu arrivé par là? Oui. Est-ce que je remarque rien. Je remarque rien. Bon, ben regarde, je remarque rien. Fait que je m'en vais. Si c'est par où est-ce qu'on est arrivé, je referme la porte. Je vais aller voir là. Ouais, vous êtes arrivé de ce côté-là, puis il y a cette porte-là ici. Ouais. Hey, si je me rappelle bien, là, il y avait une blast door dans le bout des réacteurs ou des roquettes. Ouais, qui a été défoncée par toi. Ok, c'est beau. Joe, qu'est-ce qu'on voit dans cette pièce-là? Comme je l'ouvre, moi, je check même pas les pièges, hein, by the way. Je fais juste ouvrir les pièces. Dans cette pièce, c'est un établi. Les tables rondes, en fait, là, ce sont des énormes tables de travail. Tu vois qu'il y a la carcasse de deux Skitter Widgets en construction, ainsi que les restants de roquettes, cet objet magique qui est utilisé pour aller dans l'espace. Comment ils font pour avoir des bébés? En tout cas, plus je comprends pas. OK, il faut sortir d'ici. Ben là, il nous manque-tu quelque chose pour empêcher le départ? On cherche une machine qu'on peut rentrer un code dedans. Une machine qu'on peut rentrer un code. Ben, il y a un levier là-bas. Luciano te montre une feuille. Il y a comme, il y a trois codes là, puis il faut mettre le bon. Il y a rien où il y a le levier. Là. J'ai checké. Ben, peut-être dans le coin des fusées, non? Mon investigation dans cette pièce-là, Joe, il y a du. C'est peut-être chose? Des mots qu'il faut dire aussi. Là. Non, vraiment rien. Ben, tu vois qu'il y a plein d'objets qui pourrait valoir de l'argent, mais il faudrait que tu passes comme une dizaine de minutes, là. Ah, ok, non, laisse-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Kiki? Fuck. Ben, je vais aller d'abord dans où est-ce qu'on était. On n'a pas vu rien de contrôle pour ce fusil-là. Checker en bas, faire une investigation, voir si je vois de quoi. Tu peux faire une investigation à désavantage, donc régulier, parce que tu vas essayer de regarder en dessous, mais quand t'es en dessous, il y a plein de chaleur. Là, c'est ok. Yeah. Okay. Raph, on sait pas ce que ça fait, ce levier-là. Non, mais on pourrait le savoir là, j'ai ma main dessus. Faudrait qu'il y ait juste une personne dans la pièce. Si tu veux... Sors de la pièce, ferme la porte, puis je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. Ça dépend, parce que... Bro. Si c'est physique, toi, tu peux le résister. Sauf que si c'est une explosion qui requiert de la dextérité, moi, je peux le résister. On a un choix à faire. Laissez-vous à faire votre choix. OK, non, il y a plus de chances que ça... Que... Non, vas-y, Raph, sors. OK. Au pire, restez les deux, comme ça vous allez avoir toutes les situations possibles de couverte. Brillant, il n'y a rien de spécial. Rien. Cool. Il n'y a rien. Je te fais un. Avant de sortir, je te fais un.
une poignée de main comme dans Commando, dans Predator. All right. Puis je sors, je ferme la porte. Parfait. Y a-tu d'autres monde qui veulent faire des choses à l'extérieur avant que j'active le levier? Ben attends, moi je m'en vais de là, là. C'est au cœur, mais... wow, oh, je vais garder mes cheveux. Je pense qu'on devrait rester dans le corridor qui est là, fermer les portes. Ouais. Ben les portes se ferment plus, ils sont défoncés. Ah, fuck, ok, ben. Bon, ben, garde. Hey, on est fou. Est-ce qu'on est calme? Fait que, bro, bon, tu. J'active le levier. Parfait. Fait que tu l'actionnes, puis t'entends comme un bruit de chasse d'eau. et l'acide commence à descendre tranquillement. Ok. Et 30 secondes passent. Ok, c'est clear tout le monde. Ok, l'acide, elle s'en va. Hey, c'était-tu un escalier à gauche qui descendait? Ouais, qui remonte. Perdu. Ben, qui remonte en fait. Par là, c'est là qu'on vient. Ouais. Ah. Et après une minute à peu près, le truc est complètement vide. Et tu remarques, pris dans l'espèce de grillage qu'il y a en dessous, par lequel le liquide s'est évacué, qu'il y a un anneau au bout d'une chaîne. La chaîne semble être en mauvais état, mais l'anneau semble encore en parfait état. OK. C'est profond. C'est quoi la profondeur? À peu près 4 pieds. Seulement 4 pieds de profondeur? Oh, oui, c'est un petit puits, là, c'est genre, ça monte à 4 pieds, puis c'est au sol qu'il y a la grille, là. Ok, ben, je vais essayer d'ouvrir la grille. Ah, t'as pas besoin, c'est... Je suis pas sûr de comprendre. La bague est par-dessus ou en dessous de la grille? Elle est par-dessus. Par-dessus. C'est ça. C'est que la grille a empêché la bague de s'en aller avec l'acide. Donc, elle a bloqué sur le dessus, là. Ok, mais c'est une bague? Une bague au bout d'une chaîne. Ok, comme genre, mettons... Un cock ring ou... Non! The One Ring, là, dans Lord of the Rings. Ouais, ouais, genre, ouais. Ok, ben, je prends la bague. Ma tête est allée tout de suite, là, moi, tu sais, j'ai même pour une bague de mariage. Je pensais que c'était un anneau pour tirer la chaîne. Aussi? Ah, non, désolé. Joe, je suis perdu. Michel, c'est comme... Michel, surtout que tu donnes la chance de se promener dans les cartes, là, on la perd. Il est passé au travers d'un mur. Ok, ben, bro, prends-la ou je la prends. Attends-toi, je vais la prendre. Ok, prends-la. Ok, je prends l'anneau dans mes mains. Parfait, t'as un anneau. Je me tourne vers bro, puis je fais... Il est à moi! Puis je te mets dans mon bras. Puis il disparaît! Non. Carf, t'es où? Ok, moi, je m'en vais en bas. On fait quoi avec ça? On est déjà en bas! En haut, ouais. Okay. Moi, je vais inspecter les fusées, là. Comment je fais pour aller en haut? Il n'y a pas de téléportation. Faut que je me dise que tu t'en vas en haut. Puis je vais en bas, s'il vous plaît. Parfait. Excellent. Là, pour arrêter cette affaire-là, ça se fait clairement en bas. Tu peux faire une investigation, Luciano, si tu veux. Je vais t'aider, Luciano. Raph, passe-moi l'anneau 2 secondes. Ouais, c'est bon. Tiens, t'es où? Je sais pas, mais je te le passe. Je mets l'anneau, puis sur les rebords du puits, il doit y avoir du restant d'acide. Je passe ma main dans le restant d'acide. En portant l'anneau. Ça te brûle la peau, là. Pas assez pour te faire du dégât, mais assez pour que te dire que l'acide fonctionne. Ok, ben, puis c'est pas une bague de resist acid, les gars. Okay. Oui, toujours pense à ça. Merci. Donc, Luciano, toi, tu fais 17 d'investigation. Il n'y a rien de spécial à part que c'est très chaud. Luciano va crier co-op en gnome. Je vais rien faire une investigation sur les fucking bureaux. Ben, vous l'aviez déjà fait et il n'y a plus rien dans le bureau. Il n'y a que... là, on ne le voit pas parce que le personnage de Brew est dessus. Il n'y a que cette échelle-là qui monte sur l'espèce de mezzanine qui vous amène à un étage supérieur. Je vais y aller. Joe, moi, je me mets à genoux dans le corridor. Puis je fouille dans mon sac. Je sors Zilly. Ok. Je fais. Ok, Zilly, là, l'heure est grave. On a besoin de toi. Parce que je pense que t'as été conçu pour comme comprendre toute cette machine-là et ces affaires-là. Fait que, guide-moi. Montre-moi c'est où qu'il faut aller. Puis je le mets à terre. Guide-moi. Puis je vais faire un animal handling. Vas-y, fais-moi ton animal handling. C'est donc une bonne idée. Oh! Yes!
18. Mais non, ça l'a juste roulé sur... Ah, attends un petit peu. Pas grave. Ça me va, 18. Fait qu'il fait... Puis il remonte un peu sur ta jambe pour remonter vers ton sac. Je le prends, je le mets dans le sac. C'est là que tu voulais aller, Doug? Ça a rien, Zilly! Puis je le flatte quand même, genre. Non. Bon, OK. C'est bon. Puis en haut, il y a quoi de l'échelle, Joe? En haut de l'échelle, il y a une mezzanine. Puis quand tu continues sur la mezzanine, il y a des escaliers qui t'amènent à un étage supérieur. J'aimerais ça aller à cet étage supérieur. On a-tu été là déjà ou... Non. OK. Ah! OK. Je te fais passer par dehors. Ah, d'accord. C'est peut-être là que ça se passe, là. Donc, t'arrives en haut ici. Tabarnak! C'est ici que ça descend. Tu remarques qu'ils sont tous attachés à leur siège présentement avec des cordes. Et c'est ça. C'est des cultistes. Sont-tu genre baïonnés? Non. Quand ils te voient, ils sont comme « Allô? On t'a jamais vu, toi? C'est quoi ton nom? » Ah, je suis une nouvelle! On m'a dit d'ajuster 2-3 trucs pour le décollage. J'ai pas trop compris c'est où fallait j'aille. Pouvez-vous me dire? Ben, d'habitude, c'est Stunky qui fait ça, mais moi... Mais toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Poulet Pêche. Donne un nom d'animal. Moi, c'est Poulet Poireau. Ah! Toi aussi, t'aimais beaucoup le poulet, hein, mais je te comprends. Fais-moi donc un persuasion, s'il te plaît. Oh non, je suis tellement bobouine là-dedans. T'as-le. J'ai-tu un avantage? Quelconque? Damn! Ok, je vais essayer. Ya! C'est bizarre, on est supposé avoir chacun son propre animal. Ah, mais il s'en vient, là. Moi, je pense pas que vous faites partie. Plutôt, attendez. Il s'en vient. Allez! En fait, je l'ai ici, regarde! Fait que. Je peux-tu essayer de trouver quelque chose? On fait une petite initiative. Oh ouais. Non! T'inquiète pas, là, le temps passe à 6 secondes pendant ce temps-ci. Okay. Donc, tu peux rouler ton initiative sur le turn track. Moi, je suis en bas à côté de Joe, puis Hunter, puis je fais. Hey, là! Fuck, y'a quelqu'un qui se bat! On est encore on est On est oh, non! Donc, Brian, c'est toi qui commence. Attends un peu, je vais même rajouter les autres. Oh, ils méritent d'être sur le turn tracker puis de crier à toutes les tours. Donc, c'est juste brillant l'initiative? Ouais, c'est juste brillant l'initiative pour l'instant parce qu'elle est tout seule 2 étages plus haut. Oh, girl. C'est pareil comme ça. Donc, ouais. Vas-y, c'est à toi. Je vais. Ils crient tous les trois, là. Ah, alerte, alerte! Il reste moins de 10 minutes, faut arrêter cette. Cette attaque. 10 minutes. Ben là, je vais. Ah, merde, il y en a un autre. Ah ouais, mais j'ai regardé le turnover, je sais pas ça. Écoute, j'essaie de me sauver puis aller voir... Voyons, je suis pas capable de bouger. Ah oui, parce que t'es en... La game est en pause. Vas-y. J'essaie de trouver le command center, là. Parfait. Ben, tu vois qu'il y a comme des sièges qui font tout le tour, puis qu'en plein milieu, il y a une échelle qui monte en haut. Il y a une porte. Ah, parce que ça, c'est... Ah, okay, ça, c'est okay. Une échelle qui monte vers le deuxième étage, puis ça, ici, en avant de toi, c'est une porte qui amène à une espèce de bureau. Ah. OK. Ou, ben, en fait, à une autre pièce, là. Tu sais pas si c'est un bureau, là. J'ai pas dit que c'est un bureau. Je vais quand même faire la petite porte. As-tu barré? Non. La petite porte? Non. L'ouvrir? Oui. Ah non! Je le vois un peu, fait que je referme la porte. Puis je m'en vais. Ça, c'était ton action, par contre? Ah! Ben, il me reste encore ce déplacement, fait que je vais aller en haut. Parfait. Je me sauve en haut. Fait que t'arrives en haut. Le haut est très particulier comme endroit. Tu remarques que t'arrives juste en dessous d'un énorme télescope qui présentement pointe vers le plafond qui est complètement fermé,
mais tu vois que de l'intérieur, le plafond pourrait s'ouvrir. Okay. Et donc, tu vois qu'il y a ça. Tu vois aussi qu'il y a une grosse truc de contrôle, de commande qui est là. Et Fang TV te donne une inspiration. Ainsi que des livres, puis des bibliothèques. Puis hein? C'est vraiment des bibliothèques, genre avec des. Comment on appelle ça? Des portes de verre, là, tu sais, vraiment pour protéger l'intérieur. Et il te reste quelques pieds. Tu étais ici, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben écoute, si tu prends ton dash, il te resterait 4 cases. Il est où le truc de contrôle? C'est où est-ce que t'es? Ouais, t'es dessus. Ben je vais rester dans ce cas-là. Je vais rester là. Parfait. C'est tout? Ben je pense que je peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Ah! On est attaqué! Pourquoi j'ai laissé Stun qui s'occupait de tout seul? Il m'en reste deux en haut, fait que je peux me rendre ici. J'aurais jamais dû laisser Stunky s'occuper de tout ça tout seul. Pour ta défiance, tu vas mourir. Et Boboy. Et Boboy. Yes! Je sais pas qu'est-ce que t'as roulé, mais... Oh, ouais. 2-1 de suite. Ah! C'est à toi. Nice! Faut-tu que je fasse genre une investigation pour voir s'il y a un piton qui ressemble à quoi, ou s'il faut que je le rentre à quelque part? Ben, en ce moment, oui, parce que t'es en combat, fait que... C'est quoi? Vous arrêtez pas de dire quoi? Parce que t'étais parti chercher dans les autres pièces quand on a trouvé cette info-là. C'est du gnome pour dire abort. Ah, ok. Investigation. Yeah! Tu vois qu'il y a au milieu de tous les boutons un levier avec des espèces de collants qui ont été mis par-dessus les véritables termes. Il y en a un qui s'est marqué poulailler. Un s'est marqué étable. Ah non! Ah ouais. Il y en a un, excuse-moi, ça, je suis en train de les trouver, là. On est dans une maison. Il y en a un qui dit remise sur un. T'en as un qui dit auge. Un autre. Comment on appelle ça? Fence. Clôture. Ok. Fait que tu vois qu'au total, il y a 5 endroits que le maillet peut se déplacer. Ok. Je le mets sur poulailler, ben j'assume ça veut dire coop. Tu connais bien ton anglais, coop. Ça veut dire poulailler. Ok. Il y a trop de pression, je doute de tout. tu le mets dessus, puis à ce moment-là, y a-tu du monde qui sont encore en bas? Ouais, hein? Ben, nous, tu nous as pas dit de rien faire. Non, ben c'est ça, parce que vous êtes en combat, fait que vous êtes tous là, mais vous entendez un espèce de système d'alarme qui fait comme « Tou! 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 » Puis qui s'arrête complètement. Et... Prenez le temps d'aller voir dans la pièce. On est à côté de la pièce de fusée. Ouais. C'est ça. Et il n'y a plus le gyrophare rouge. Oh, la pièce en bas, là. Okay, ouais, oui, la pièce en bas. Donc, il n'y a plus le gyrophare rouge en ce moment. Donc, ça, c'était ton action. OK. Y a-t-il quelque chose qui a changé sur le dashboard, genre? Ou... Sur le dashboard, il y a zéro lumière. Il n'y a rien qui indique quoi que ce soit. Kiki. Je vais prendre ma dague. Nice. Je vais l'attaquer. Yeah!
pensais que t'allais prendre ta dague et la mettre dans le mécanisme. Oh, j'aurais pu, hein, j'ai pas. Tu touches, tu peux faire ton dégât. Ah, nice, ok. Hey, moi, j'y croyais plus, là. Ce qui est drôle de souffler, c'est 19. C'est... En fait, 15 pour être plus exact. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu lui fais excessivement mal. Vous pouvez tous me faire un perception en bas. Mm-hmm. Oh damn. Tu peux rouler sur. Bon. Hey, vous êtes hot, Lesti? Donc, c'est une très bonne chose parce que je te hit et je te crit après. Ah non. À moins que tu me dises que t'as. Ok, puis t'es à combien? Je te dis de quoi? Que t'es capable de monter ton AC? Non, je peux pas. J'étais à 23 de toute façon. De toucher? Ben oui, c'est sûr, tu me touches. Ok. Fait que je te fais un total de 21 points de dégâts. Que je coupe en moitié. Ah, j'aurais pas dû te le dire comme ça. Ah! Ok, je vais rerouler mes trucs. C'est donc bien pas fait, ça! Ben, regarde, tu sais que le premier hit, c'est un 23. Est-ce que tu coupes en moitié le dégât? Ben, habituellement, je peux te le dire après. Oh, ouais, mais c'est sur une attaque. Ah, oh, parce merde, que t'as dit le total de plusieurs attaques. Ben, habituellement, tu me dis pas les deux. Non, c'est faux. Non, tu me le dis pas les deux. C'est donc bien pas fin. Ok, je vais le couper en deux, celle-là. Celui-là? Ok. Ouais. Fait que tu manges 3 points de dégâts. Ben, 5 divisé par 2, 3. Oh. Attends, mais c'était pas le... C'était pas le crit. C'était pas le crit, c'était 23. Tu m'as dit quoi? 3 dégâts? Ok. Et 25, ça c'est mon crit. Et je te faisais 17 sur ce cuir-là. Ah, calice! 16, excuse, 16. Ben quand même, j'arrive à zéro, là, fait que je tombe dans les pommes. Et Brian, pas Brian, excuse, Aberros, tu entends des voix un peu plus haut qui crient, qui sont en train d'appeler à l'aide. Je vais vous... Donc, vous montez tous en haut. Ouais, moi, je pense que Luciano, avec ce qui a roulé, si tu permets, il y a eu comme un twitch, il fait comme... Ah, attention, Brian! Attention, Brian! Ouais, tout à fait, c'est non, juste. Non, mais, pas pour lui donner, mais genre, c'est comme un réflexe. Il l'a clairement senti. Donc, je vous ai tous amené sur son niveau. Vous pouvez donner votre initiative. Et Aberros, tu entends que ça semble venir d'en haut. Il nous reste quoi? Il nous reste plus de temps, en fait? Ah non, ça a été arrêté, nous. Ça a été arrêté. Oh, de toute façon, depuis le début du combat, c'est par coup de 6 secondes. Ah oui, ok, round. C'est bon. Mais ça a été arrêté, je pense, non? Oui. Ben... Temporairement. Depuis que ça avait été arrêté. Donc, bro, c'est à toi. C'est toi le premier. All right. Excuse-moi. Fait que, ben, je vais monter. Parfait, je vais t'amener parce qu'il n'y a pas de zone de téléportation dans celui-là. C'est bro le premier avec 12. Ouais, je me posais la main. J'ai voulu un. Parce que vous êtes entré dans l'initiative. Ah. Oh my god, c'est donc bien chier! C'est la merde! J'aurais pu faire recommencer, puis ça aurait été plus bitch, je trouve, pour rien. C'est correct, bro, il va pouvoir agir. C'est quand même drôle. C'est fucking drôle, en fait. Ok, fait que là, je rentre dans cette pièce-là. Brian est toujours pas là. Brian est pas là, puis c'est clairement eux autres qui crient « On est attaqués! Alerte! Alerte! » Ok, ben, je vais partir à courir, je vais leur dire « On veut vous pas de mal! » Où est le... C'était quoi ta race, toi, Brian? Tabaxi. Tabaxi, c'est vrai. Où est le tabaxi?
Dans les étoiles. Parfait. Donc c'est en haut. Fait que je vais essayer d'aller me rendre. Parfait. Tu te rends jusqu'en haut. Mais là, t'as plus de mouvement. J'ai peut-être plus de mouvement, mais j'ai encore le pouvoir de danser. Et puis je pars à danser. Ah, oh, le petit monsieur. Tu veux pas lancer ta roche? Oui. Non, je veux pas lancer ma roche, mais je vais y faire un Guiding Bolt. Oh, oh yeah. Ouais, 11. Il restait 10 points de vie. Donc, tu la tues. Ben, le tues. Et tu vois que Brian est à ses pieds, inconscient et attaché. Oh shit. Puis je peux plus bouger. J'ai fini mon tour. Oui, Luciano, ben Bro, il partit à travers les, vers les portes, c'est ça? Ouais, non, je vais t'amener. C'est plus loin que ça. Ok. T'arrives là, en fait. Excuse. J'arrive là en montant et marche? Ouais, en montant et marche, t'arrives ici. Ah. Là, il y a ces trois d'autres là. Ah! On est attaqué! Ça a pris combien de mouvements, elle est là? 15. Où est-ce que je suis, Luciano? Il est vraiment lost, là. Oh, il y a une échelle dans le milieu. Ouais, il y a une échelle dans le milieu. Les fucking cartes, man. C'est tellement de la merde pour ça, là, on se perd. Fait que tu fais ton double mouvement. Ouais, oh ouais, je fais mon double mouvement. Non. Oh, excuse. Ah, ben, ok, ben, je vois. Dans le fond, je fais mon mouvement là, je regarde par en haut. Tu vois le bras de Bro. Ok, je vais faire mon double mouvement là. Ça, c'est pas mal. Il te reste ta bonus. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop ce qui est arrivé avec Brian, fait que je vais faire Spare the Dying. Au cas. Qu'est-ce qui arrive s'il est juste inconscient? Bon, ça rien. Ben, non, mais ouais, il est à zéro, excuse. C'est ça. Excuse. Ouais, mais ça stabilise dans le fond. C'est ça le stabilise. Parfait, stabilisé. Hunter, c'est à toi. Ben là, en fait, il n'y a plus besoin d'avoir de combat tracker. On revient au temps normal. Et Hunter, soudainement, tu es capable de bouger plus rapidement. Oh! tout le monde est en haut. Ça va, je crie, ça va en haut. Ça va en haut! Ok, ben je ça guérir, va en haut! Ça va en haut! Ça va en haut! Sauf qu'on a jamais entendu un truc parler de non! C'est n'importe quoi votre affaire. C'est n'importe quoi. Oh my god. Yo, à quoi tu t'attends? Je sais pas. Dans une quête d'une fusée avec les COVID bastards. Genre, comme tout court, c'est du n'importe quoi. Genre, ça a commencé avec un nain en plus, fait que tout est tout correct. Fait que vous êtes tous en haut. On est en haut! Fait que 13 de guérison brillant, je te le rajoute. Ah, merci, cool. Parce que finalement, il n'y avait plus d'ennemis. Non, il n'y avait plus d'ennemis. Puis, y'a-t-il encore les personnes attachées? Oh, ouais, ils sont encore là, puis ils crient, là. Ils sont comme pris, ils peuvent pas se défaire? Non, ils peuvent pas se défaire. Mais c'est bien épais! Oui. Bon, est-ce qu'il y a encore le décompte? Il n'y avait pas de place avec le décompte en haut. Oh. Ben, ceux qui crient, ils me tapent ses nerfs. Fait que Raph, il les assomme un après l'autre. Parfait, fait qu'il arrête de crier. Puis je regarde, je me place. Je donne un coup de coude. Raph! Ouais. Tu peux-tu aller courir en bas, voir si y a encore un décompte, puis revenir? Oh, tabarde! Ben oui, c'est bon, parce que je cours vite, puis je pars à la course, je m'enferme encore d'une table, je m'enlève. Tu sais, je suis vraiment nerveux aujourd'hui, là. Puis je repars encore à descendre en bas. Je fais plein de jumps, là, je passe avec les échelles, puis je glisse les échelles comme un jeu vidéo cool, là. Puis. Ben, tu réussis à te rendre assez rapidement en bas, et tu arrives, et tu vois que.
il n'y a plus le gyrophare qui tourne. Okay. Le compteur, c'est juste des tirets. OK. Et tout semble être inactif. Nice! Ben, je repars en course jusqu'en haut. Parfait. Fait que peut-être 2-3 minutes plus tard, Raph arrive en haut et... Il y avait juste des barres, puis il y avait plus de lumière qui flashait rouge. OK. Ah, c'est bon, ça. Ça veut-tu dire que c'est arrêté? Ben, sûrement. Puis je regarde Luciano. Je cherche un détail depuis tantôt pour que Raph retourne en bas checker quelque chose. Je sais pas quoi dire. Moi, ouais, c'est la musique qui me fait capoter. Pendant ouais, c'est ça, je suis en train de la changer, justement. Okay. Ben, pendant que tu te demandes quoi faire, moi, je continue d'assommer les autres, là, parce que j'avais pris un break d'assommer les gars qui criaient, puis là, je continue d'assommer tous ceux qui sont autour. Ben, Luciano, dans le fond, il demanderait juste à Adrien qu'est-ce qu'il a fait. Là. Ah, j'ai mis... Ben, regarde sur la console, là. Il y a le levier, là, puis là, il y a différents spots, puis il y en a un qui c'est coop. Poulailler, ça veut dire coop. Comment t'as fait ce lien-là? Parce que... Ça doit être du T-Scant, là, une affaire de même, là. T'as-tu déjà travaillé dans un poulailler? Non, je joue à Divinity 2. Est-ce que je comprends pas, mais OK. Ah, OK, bon, mais c'est pas grave. Moi, j'aimerais ça que sur la console, il y ait coopérative poulailler. Je comprends pas le lien! Parce qu'en anglais, poulailler, c'est coop. C'est coop. Ouais, coop. Moi, je dis tout le temps coop, mais c'est coop. Ouais. Chicken coop. C'est juste pour ça. Puis j'ai fait exprès de comme... Je savais que vous comprendriez pas, juste... Vous verriez coop. Ouais. Puis vous stickeriez sur coop et non poulailler. Fait que j'ai juste voulu ralentir un peu en espérant que le joueur qui se rend en haut serait plus... plus comme toi, Pat, et qui serait comme... Co-op, poulailler, ça n'a pas rapport l'un avec l'autre. Non, même pas. Ah oui, mais. Mais bon. Oui, non, c'est entièrement grâce à Divinity 2. J'aurais pas été sûr. Sinon. Écoute, à ceux qui ont produit et créé le jeu Divinity 2, on vous remercie ce soir si vous nous écoutez. Vous avez empêché. Appelez-moi, hein. J'ai plein de bons scénarios. fait qu'on essaie. Mais là, on pourrait peut-être s'assurer que cette fusée-là ne soit plus jamais réutilisée. Là. Ouais, mais on a fait la job que les autorités nous ont demandé de faire. Là. On a arrêté la chose. Puis là, on fait rentrer les cops ici, puis nous autres, on s'en va. Là. Ah. Non? Ouais, on peut faire ça aussi. Oh, oui. Ben, mettons qu'il y a pas mal de savoir dans cette petite fusée-là présentement. Là. Et comme une chier de livre, on devrait pas regarder un petit peu s'il y a de quoi qui pourrait être intéressant pour nous autres. Ben, j'avoue qu'on peut prendre notre temps. De toute façon, les autres, ils dorment pour un petit bout. Un tome of Legitime, tu traînes. Ouais, genre. Genre. Bon, check ça, Briancine. Là, tu roules. Briand, il roule. Ah, je t'en fais. Je trouve-tu des livres cool? Deux tomes of Legitime. Qui ont beaucoup de savoir ou qui valent cher. Vous prenez à peu près là, 30-40 minutes là, pour vous pour passer à travers, puis t'en identifies trois. Okay. qui sont vraiment plus intéressants que les autres. Okay. Le premier, t'as un peu. Ce suspense me tue. Hey, c'est-tu un Tome of Lichdom? Je montre un livre. Je montre un livre à Aberos, mais en fait c'est marqué genre Tome of Lichdom. Fait que t'as ce livre-là, ici. Oh! Qui est un spellbook. Funky Noctoper Spell of Plenty. Je le pitch à Aberos. Avec tous ces spells. En face! Oh! Oh my god! Oh, wow! Wow! Fait que de toutes shit. Ces. Ça va ces faire spells. Des heureux. Oh! Hey, t'en as pour un bout à vendre tout ça! Là, j'ai besoin d'un petit budget à groupe. Ah ouais, hein, c'est ça vrai. Ça cher. Damn! Vous God. Trouvez. Ooh, Banishment. Oh, Globe of Invulnerability. Vous trouvez aussi ce livre-là, ici. J'essaie de faire de quoi de cool, puis ça marche pas.
Ah, ben ça doit être. Ah, c'est peut-être plus pour Jano, ça là. Ah, c'est un livre qui aide à comprendre les petites bébites qu'on a. Ouais, c'est ça, les skills. C'est peut-être Stunky, ça. Trop brillant. Ah. Non, Stunky, c'est Stunky Nup Topper Spell of Plenty. C'était son spellbook. Oh. Oups, pas ça. Characters who compare. Ok, on a la description du DM à la fin du livre. Ouais. Puis vous trouvez ici. Oh! Malade! Nice. Le fameux livre qui ont sorti pour la bouffe, là. Ouais, donc. Malade! Fait que je vais vous dire qu'est-ce que ça fait ce livre. Donc, grosso modo, la personne qui va le lire va vous permettre après ça de caster Heroes Feast une fois. Est-ce qu'on pourrait simplement, pour les besoins de la game, renommer ce sort? Ça devrait être Ricardo's Feast. Ça me va, Ricardo's Feast. Ricardo's Feast. Donc, vous avez ces trois livres-là. Le restant, c'est honnêtement des livres sans importance. Tu sais, Aberros passe, puis il est comme... Que? C'est vraiment des livres fuck out. Il voulait protéger ce savoir-là. Exactement. Ils ont vraiment perdu leur temps. Luciano est intéressé par le... Ouais, le Ricardo's Feast. Je le pitch à Luciano, je suis comme, t'as un livre de bouffe. Tu vas aimer ça. L'autre, par exemple, les, le truc de Skitter Widget, là, je dis à Raph, hey Raph, viens! Oui! Toi, Raph, ben, il était déjà avec sa petite bébite en train d'essayer de l'entraîner, genre, il gossait, comme pendant que vous gossiez un livre, lui, il trouve ça full plate, là. Fait que, j'étais comme, ouh, check, check, check! Zilly, check ça, check, check! J'essaie vraiment de la tirer, mais ça marche pas. Oh, oui, ça marche! Je pourrais échanger pour avoir mon livre. Qu'est-ce que tu dis, Brian? Ben en fait, j'allais demander à Hunter de venir m'aider à handler mon Skittles parce que je pense qu'il m'aime pas, vu qu'il m'a vu tuer son père. Ou son oncle, je sais plus, là. Hey, Hunter, peux-tu nous donner des trucs? Oui. Toi qui es comme une Beastmaster. Ouais, sauf que c'est pas des... Ben oui, je pense. C'est des moins, c'est des Beasts? Non, c'est des Constructs. Ah, oh, c'est ça. Mm. Mmh. Fuck. Ben en même temps, check, il écoute quand même bien. Ouais. Regarde ça. Toi, je le prends, je le mets un peu plus loin, puis je dis, viens, Zilly, dans le sac, dans le sac. Il saute dans le sac. Hein? Et c'est rien que ça qu'il fait. Ouais, mais c'est pas grave, il est tout petit encore. Quand il va être gros, ça va être différent. Moi, j'ouvre mon sac, puis là, je regarde. Puis comment il a l'air d'agir le mien quand il me voit? Tu vois qu'il a comme des yeux un peu craintifs. Ah. Un peu comme un animal là, qu'on a enlevé puis qui est comme... Je prends un petit peu de treats à Raph. Je dépose tranquillement le sac à terre. Puis là, j'essaie de l'amadouer là, avec les treats. Là, il sort tranquillement. Pour qu'il se calme. Je te demanderais de me faire un animal handling. Ah, bon, t'as dit. Je voulais tout sauf ça. Tout sauf rouler dans un jeu de roulement. Yo, c'est débile. Non, mais pour vrai, là, j'ai jamais roulé autant de vin dans une game. Fait que tu vois qu'il sort, qu'il te regarde, puis qu'il commence à aller manger. Puis là, tout d'un coup, il vient comme sentir ta main, sentir la nourriture. Puis il réalise que c'est toi qui l'as donné. Ah non. Fait que comme, il vient genre se comme... cuddle sur ta main, puis continue à manger. Ah. Ok. Eh là, c'est ça. Je voulais pas prendre tout le temps, là. Je voulais juste... Moi, j'aimerais ça trouver un livre qui serait peut-être quelque chose à échanger pour récupérer mon livre. Ok, fais-moi un arcana. J'ai donné à Cogé. Il roule où? Ça dépend avec quoi tu roules. Ouais, je paye sur... Mais vas-y, prends du double papier. Ah, il a roulé sur... Beyond... 18. OK. Ouais, tu trouves un livre qui a de l'air full intéressant sur les... 19, ça fait. Ouais.
sur les restants de d'un empire très très vieux. Boring, brûle ce livre-là. Ah non, mais ça, je veux juste faire un échange. C'est quoi l'empire faux le vieux? Je pense que t'en as roulé assez, Hunter. Ah, oh, j'ai pas rien touché. C'est pour moi, mon ordinateur a dégelé. Ah, ok. Excuse, je pesais même plus. Mais non, c'est un tome là, sur l'histoire de l'empire de Manakalon. Ben, en tout cas, à part ça, on trouve-tu d'autres choses? On fouille un peu la place. Mettons, je retourne fouiller dans le sous-sol. Ben, en fait, ce qui resterait, ça serait regarder la console. Sur la console, vous voyez qu'il y avait le levier, mais il y a aussi un steering wheel. Pas well. Un volant. Un volant, oui. Avec une espèce de grande flèche au bout. Puis là, présentement, il pointe vers 646. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on peut le faire viser vers 616? Tout à fait. Tout à fait. Oh man, on crossover dans l'MCU. Oh yes! mais encore là, l'MCU n'est pas 616, je pense. C'est 6 quelque chose d'autre. Non, 616, c'est le régulier dans c'est les le BD. C'est le régulier des BD, ouais. Oh. Je comprends pas, mais. Moi non plus. Excusez, c'est très geek. Geek hein, talk. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment geek. On parle des univers de Marvel. Ah, je connaissais pas qu'il y avait des numéros. Mm-hmm. Oui. Il faut sortir. Ouais, hein. Ok. Pensez-vous que les chiffres, ça veut dire genre un endroit dans le monde? Fait qu'on pourrait utiliser ça pour se promener? Potentiellement, oui, mais ça présume que tu crois que cette espèce d'engin fonctionne et il va pas tous nous tuer. Il va pas simplement exploser. Ce serait pas le temps d'appeler les autorités. Ben, faut attendre. On a dit tout, là? Ben, là, c'est quelque chose qui t'intéresse de plus? J'ai pas pris le temps. Il y a un genre de bureau en bas que j'ai pas pris le temps de fouiller. Où est-ce qu'il y avait le méchant? On l'a fouillé, on est sorti de là avec un coffre. Pis, ouais, c'est fouillé. Non, l'autre. L'étage juste en dessous d'ici. Où est-ce qu'il y a les dudes qui sont attachés, là? Ah, ok. Bon, on pourrait peut-être aller détacher les dudes aussi, là. Ah, ouais, on pourrait peut-être faire ça. Ou on peut peut-être les laisser attacher puis attendre que la police arrive et qu'on les détache. J'aime ça qu'on dit la police, by the way. Oh, ouais. qu'on dit jamais les gardes ou la garde. Oh, oui, oui. Ou le pont médiéval fantastique. Les gardes. Ouais, là, après avoir vu des fusées, des gyrophares, puis. Ouais, non, c'est, j'avoue que c'est. Des machines, là. Ça fait bien du sens qu'il y ait des cops. Il y a des cops. Je peux-tu descendre en bas, Joe? Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu descends un étage, tu vois que les trois dudes sont inconscients. Puis après ça, tu vas dans l'espèce de bureau au bout. Tu peux me faire une investigation? Ouais. Hey bro, ta bague, vérifie avec Abera, so c'est spécial. Tu trouves rien. Je donne la bague, je te donne la bague à Abera. Demande en mariage. Je vais faire la même chose dans cette pièce-là, voir s'il n'y a pas une... Oublie pas que t'as une inspiration de Fang TV. Là. Oh oui, c'est vrai, je vais faire mon inspi! Merci Fang TV! Yeah! Ah, mais c'est moins pire, c'est moins pire, c'est moins pire. Tu trouves un journal de notes, des inscriptions très gribouillées, puis tu sais, avec des grands mots, mais pas aux bonnes places, là. Ok. Tu sais, quelqu'un qui essaie de se penser plus qu'il n'est, là. Okay. Et dedans, il dit, j'ai identifié les coordonnées possibles. 626 à 666 devraient nous amener. Bon, excusez, j'ai quelqu'un fait que Pat, il avait raison, en fait. c'est quoi ça dit? What a become ça famous. Dit que 626 à 666, ça devrait nous amener... Ouais, Joe, il va essayer d'enlever... Excusez, il y avait non, c'est bon. Il y avait un dude qui était là par rapport, là, un bot. Tu disais, excuse?
T'as comme pas fini ta phrase de 6. C'est écrit dans le genre de journal que ouais, 6, c'est 2, ça. 6 à 6, 6, 6, c'est supposé nous amener. De vous amener à la bonne place, à la bonne position. Ok. C'est quoi la bonne position? Ben, on sait pas, mais on sait qu'on. On veut pas ça. Mais non, je suis sûr que cette affaire-là, en plus, il y a comme une chance sur 8000 que ça fonctionne, puis le restant, ça explose. Ouais. Mais fait que 6 1 6. Oh. Ça fait quoi? Je sais pas. Non, on joue avec des pouvoirs qu'on ne contrôle pas et qu'on ne connaît pas, là. C'est dangereux, là. C'est vrai. N'est-ce pas, Beros? Tout à fait. Parce que Beros, il est pas là à soi. C'est juste que moi, j'ai pas pu casser de fireball, j'aime pas en game. Je t'arrête de checker mes nouveaux sorts, c'est pour ça. Fait que Beros, okay. Il est comme genre dans le livre que Brian lui a donné, là. Puis il est comme, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Kiki. Je pense que c'est. On a fait le tour, là. On va arrêter de gosser, là. Sinon, on va gosser jusqu'à 10 heures pour fouiller rien. Ouais. Moi, je vais. Pendant que vous continuez de fouiller, ouais. Je dis à Luciano. Ouais. Vu que je cours vite, je vais aller voir les autorités. Je vais dire aux cops que la place est clear. C'est bon? Ça sonne tellement genre. C'est bro l'inspecteur en chef, là, moi. C'est des années 80. Ouais. Ok, bro. Bro, je vais aller dire aux autorités, là, de... C'était quoi encore le nom des gardes ici à Beros? Des Avowed. C'est ça. Nous, on est envoyés par le... Grand lecteur, c'est ça? Mm-hmm, le premier lecteur. Okay. Worm. Parfait, je vais aller chercher les grands électeurs. Puis je vais leur dire que la place est réglée. Pendant que tu vas faire ça, Raph, t'sais, prends ton temps parce que je pense qu'on a un petit peu de damage control à faire. On a du monde qu'on a peut-être tapoché un peu trop fort qu'on n'aurait pas dû. On va essayer de s'occuper d'eux autres. Là. Ben, j'ai tout fait spare the dying. Toute la gang? Fait que tout le monde est encore vivant. Ben, on va faire le tour. Sauf celui que t'as crité, là. Ouais. Non, lui, j'y ai fait, mais peut-être qu'il était trop tard. Ben, y en a un. Le round d'après. Il y avait trois cultistes plus Stunky, puis il reste Stunky plus un cultiste. Ok, mais c'est ça, moi, après la. Tu sais, pendant la pause, je t'ai dit, dès qu'on recommence, je fais trois spells. Ouais, mais c'est ça, mais il y en avait que c'était trop tard. Ok, ben c'est ça, ok. Mais c'est ça, j'ai quand même essayé. Okay. Il en reste deux vivants. Ben, je sors de la tour, mm-hmm. Puis j'essaie de retrouver quelques formes d'autorité locale. Ouais, t'en trouves? Fais-moi un persuasion, s'il te plaît. Un persuasion? Ouais. Pendant qu'il fait ça, la stratégie pour Bro, ça va être de ramasser tous les corps, toutes les personnes, tous les cultistes qui sont dans la fusée slash tour. Puis des attachés, puis des emmener au dernier étage où est-ce que le truc de contrôle. Là. C'est le dernier étage. Tu veux pas les mettre dans l'entrée? Tu parles des corps ou des vivants? Non, des vivants. Bon, peut-être pas au dernier étage. Là. À l'entrée de la grange. Pendant que Bro fait j'essaie de revoir les maps, c'est tout. Là. Ok, donc je sais plus. Identify dessus la bague qu'il m'a donné tantôt. Il m'a passé tantôt. Okay. Excellent. Fait que la tour a trois étages plus un sous-sol. Mm-hmm. Le rez-de-chaussée, il y a des portes de grange qui donnent sur dehors. Après ça, juste au-dessus de ça, il y a une salle avec des sièges avec du monde qui sont assis, qui crient, avec une échelle qui monte dans l'étage où vous êtes présentement. Ben, j'amènerai tous les corps parce qu'il y a du monde déjà attaché. OK. J'attacherai le reste, puis on enlèverait l'échelle pour monter. De en haut? Ben, on descendrait, puis on enlèverait l'échelle pour qu'il n'y ait plus d'accès direct. Parfait, pas de problème. Donc, vous amenez là, tous les corps vivants et morts au deuxième étage, et vous enlevez l'échelle. Toi, Raph, tu trouves un garde, puis quand il te voit, il fait... Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'arrive à côté, je suis comme, ok, là, on était envoyé là, on travaillait pour un grand électeur, puis il nous a demandé d'aller régler le problème. J'ai roulé un de persuasion. C'est surtout pour moi, ça.
J'aime bien jouer que j'ai l'entêtant. Fait que là, on est allé dans l'espèce de grange qui est pas une grange, en fait, qui est comme une fusée mécanique. Puis il y avait comme des petites bébites, puis je sors Zilly, puis je monte Zilly, mais plus grosse dedans. Donc là, je range Zilly et je lui donne une flatte sur la tête. Puis là, ben, on a tout arrêté. La fusée, elle a failli décoller, exploser tout le monde. C'est ça qui faisait la boucane partout. D'autres, on vient d'arriver dans le village, dans la ville, pardon, Kanoki, parce que Aberros, puis j'explique vraiment trop comme en détail tout. Fait qu'on a besoin des cops. Toi, t'es un cops? Ouais. Viens avec moi. Oh non! Il te met la main sur l'épaule. C'est bon, je laisse faire. Puis je fais, ouais, je vais venir avec toi. On va aller chercher d'autres cops, c'est ça? Exactement. Pas de problème. Puis je te suis. Puis il t'amène jusqu'à la porte de la ville. Ben, jusqu'à la porte du court of air. L'espèce de pièce de place ouverte. Oh oui, où est-ce qu'on était? Puis il fait, je sais pas comment t'as fait pour rentrer dans l'intérieur, mais les mendiants fous, on n'en veut pas. Ton histoire a ni queue ni tête. Non. On va. Puis il te sort. Ça fait 10 minutes. Aberros, tu identifies le truc comme étant une ring of telekinesis, mais avec une petite twist. Je vais juste te le donner pour de vrai là. C'est ça. Ça permet aussi de contrôler les skitter widgets dans un area de 30 pieds. Ok. Fait qu'en plus du truc de base. Je me suis fait expulser de la ville. Donc c'est quoi? C'est un sort de télékinésie, c'est ça? Ça te permet en fait... avec le Ring of Telekinesis, là, c'est « While wearing this ring, you can cast the telekinesis spell at will, but you can target only objects that aren't worn or carried. » Fait que pas les créatures, puis pas les objets portés, mais tout le reste, oui. OK. Puis aussi, le contrôle de Skitter Widget à 30 pieds. Mm-hmm. OK. Je vais la ramener à Bro, vu que c'est lui qui me l'a donné. On va faire... Tiens, Bro, avec ça, tu peux bouger des objets à 30 pieds, puis contrôler les créatures de Raph puis Brian. Really? Oh non! Wow! Ça, je sens le mauvais coup! N'importe... Attends, je peux bouger n'importe quel objet à 30 pieds, puis en plus contrôler les Skittles Wither, là. Tu peux contrôler les Skittles Wither sans problème. Pour n'importe quel objet, il va falloir que je te confirme ça en allant lire le sort quand je vais avoir accès au sort. Okay. Mais prends pour acquis que genre 90% des objets qui sont non tenus par du monde ou non portés, tu peux les bouger. Parfait, merci beaucoup pour ton ring. 10% reste. Merci pour ton ring of infinite pranks. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. 10 minutes passent, 15 minutes passent. Raph n'est toujours pas revenu. Il est où, Raph? Dites-moi pas qu'il est parti magasiner, là. Je remonte en haut, je peux-tu remonter en haut? Il faudrait que tu remettes l'échelle. Parce que là, vous êtes tous à ton étage en ce moment. Ah! Mais je vois personne. Non, parce qu'on est en Theater of the Mind. Ah, ok, excuse. Je vais toutes les amener. Dans ce cas-là, je vais aller voir Luciano, puis j'y montre le journal que j'ai trouvé, puis qui disait, je me rappelle plus c'était formulé comment. Ça disait que les destinations bonnes, c'était de 626 à 666. Ouais, tu peux montrer ça à Beros, là, moi je comprends pas trop, puis ça m'intéresse pas vraiment. Ah, ok. Mais merci quand même. Ok, c'est bon. Je me suis dit que tu voulais finir le dossier avec moi, mais c'est correct. Je peux aller le finir avec Aberros aussi. Je pense qu'il est meilleur là-dedans. Oh my god. Shade. Luciano continue sa lecture du Ricardo. Oh
Oh, c'est cute. J'en vais voir Aberros avec les mêmes affaires. Le même journal pis tout, là. Voudrais-tu faire de quoi? Penses-tu que... Moi, je te gage que Raph, là, il a vu quelque chose, là, pis il est parti dans la ville, là, pis... C'est déconcentré. Il serait pas parti seul, non? Ben non. Bah. On n'a pas... on lui a pas donné de fax, hein, c'était pas ce matin, notre affaire. Il a dû rencontrer un de ses frères ou quelque chose comme ça, pis il est parti. Là. C'est ça. T'as pas message à Beros, ça? Ou sending, ouais. Peut-être. Ce serait plus sending que message. Quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui est à 120 pieds, mais que tu peux faire tout le temps, puis l'autre qui est un sort de niveau, mais que tu peux envoyer n'importe où. Ok. Non, j'ai pas ça. Bon. Beros, vu que c'est toi qui viens de la ville, tu veux-tu aller voir les autorités, puis essayer de trouver Raph? Ouais, je vais aller voir le grand lecteur et essayer de trouver Raph aussi, là. Il y a du super dans la ville. Ouais, je vais venir avec toi, là. On vient d'arriver, c'est pas évident. Ouais. Ben, on a-tu fini Anyways ici ou pas, là? Moi, je pense qu'au pire, on y va tout ensemble, là. Ça va faire un moment de se séparer. Faut sécuriser les lieux, là. Mais faut sécuriser les lieux comment? On a pas déjà tout fait ça? Ben, s'il y en a un qui se libère, là. Pour repartir la machine. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça a pas été smart peut-être de les enfermer en haut. Ah, ou sont enfermés avec nous autres sur cet étage-ci? Mm-hmm. Ouais. Sur l'étage avec nous autres. Puis vous avez enlevé l'échelle. C'est ça. Ok. Ça aurait été drôle qu'on les laisse en haut, pas attachés, puis on enlève l'échelle. C'est ça. Ben, au pire, on va... On amène l'échelle avec nous. Non, mais allez-y, Brillant, puis Aberros, allez-y, on vous attend. Bon, ok, c'est correct. Donc, vous quittez la porte de grange, et ça vous prend à peu près une dizaine de minutes, mais vous vous rendez au bureau du First Reader. Quand vous arrivez, il est en train de parler avec du monde, puis il vous demande d'attendre un peu dehors. 5 minutes passent. Puis il vous dit « Oui, vous pouvez rentrer, monsieur Aberros. » Je rentre avec lui. Bonjour, bonjour. Alors, Ben, on a réglé votre problème de secousse sismique. Ah! Ça réarrivera plus? C'était quoi qui causait ce problème? OK, où commencer? Donc, il y a une gang de nains concierges qui ont décidé de rassembler du savoir et de lancer ça dans une fusée pour le protéger. Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez... C'est quoi une fusée? Effectivement, c'est quoi une fusée? En effet. C'est un espèce de tube... dans lequel il était supposé de se passer quelque chose à un moment donné qui était pour l'envoyer dans les étoiles. Ok, donc il voulait... Ah, wow. C'est comme un véhicule pour les... Pour les étoiles. Ouais. Ouais. Puis là, il avait mis des livres dedans pis tout. Puis ben, on a des bonnes raisons de penser comme quoi que les secousses, c'est comme... soit des tests ou de l'activation de cette espèce de machine-là qui aurait causé ça, puis que s'il l'aurait utilisé pour de bon, ben ça aurait pu peut-être exploser une partie de la ville. Oh, ok. Ah, ben c'est une bonne chose que vous les ayez empêchés. Et est-ce que... Tout à fait. Vous avez tué tout le monde? Je pense qu'ils sont en vie. Ah, encore mieux. Encore mieux. Là, tu sais, je m'en vais vers Brillant, je fais « Sont-tu en vie, hein? » Oui, ils sont encore en vie. Je pense qu'il y a juste une casualties, là. J'ai pas le terme en français, là, mais... Ils étaient tous sur l'étage où est-ce qu'on était, là, fuck. C'est ça, ouais, vous les avez vus, là, vous vous souvenez. Ouais. Donc, ok, excellent. Et est-ce que vous avez besoin que les gardes vous relaient le fait qu'ils gardent les... Les méchants? Ouais, ben, ouais.
excellent. Fait que il appelle des gardes qui viennent et il dit suivez-les jusqu'à la tour, la grange, la porte de grange. Parfait. Et vous repartez. Ben avant de partir, t'aurais-tu vu une tortue, toi? Comme récemment. Non. Un turtle? Vous avez perdu votre compagnon? Ben, il était supposé venir vous voir, puis on... Ça fait quoi, une demi-heure, 45 minutes qu'il était parti? On sait pas, il est rendu où? Mais il si ça coupe, là, je suis à la porte en train d'essayer d'échanger, genre, quelque chose avec quelqu'un qui voudrait même donner son livre pour rentrer. Non, ils t'ont pas sorti complètement, là. Ah, t'es dans la cour intérieure. J'aurais vraiment aimé ça que je sois à la gate de Kenoki, puis je t'aurais laissé d'échanger, genre, hey, écoute, d'où, je te donne ça, puis je te demande de moi ton parchemin. Ben, écoute, tu peux être sorti. Non. Moi, ça me va. Mais ils m'ont sorti du quartier, dans le fond. C'est ça, ouais, du Inner Ward. Okay. Ben. Fait que du coup, l'as-tu vu en s'en venant ou pas? Non, pas du tout. Ah, ok. Ben, qu'est-ce que j'essaierais de. T'sais, depuis tantôt, j'essaierais de parler aux gardes de dans la gate du Inner Ward, disant comme, come on, laisse-moi entrer! Non. Les robineux, on n'en veut pas, là. Pas à l'intérieur. Puis j'essaie même le truc à la Baldur's Gate, là, genre. Ah oui, j'ai du cash, puis j'essaie de voir si j'ai de l'argent sur moi. Je sais pas pour qui tu te prends, là, mais on n'est pas des gardes de Baldur's Gate. Je fais comme, damn, ça marche pas ici. Je m'installe comme, tu sais, je m'assois au sol, puis je réfléchis, genre, puis j'ai genre, j'ai Zilly qui me regarde probablement à côté de moi, là. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'était mon cutscene pendant. Parfait, puis ça a coupé le son direct à la fin. Je peux-tu y faire un. Comment ça s'appelle encore, donc? Tu sais, pour savoir s'il ment ou pas, là. Un insight? Ouais. Ouais. Yeah! Oh shit. Personne qui ment autour de toi. Fuck. Je peux essayer de voir d'abord s'il y a quelqu'un qui a entendu notre conversation puis qui fait semblant de quelque chose. Ouais. Une perception. Vas-y. Bon? Ok. Yeah! Toutes les personnes dans la pièce semblent avoir aucune idée qui est cette tortue. Voyons, vous autres. Ok, bon, mais peut-être qu'il s'est jamais rendu finalement. Kiki, ben, au pire, en ressortant, est-ce que les gardes nous accompagnent, genre, oui. Direct ou. Tout à fait. On peut peut-être. Pendant qu'on s'en va, on s'en retourne vers là-bas, je demande à des passants, voir si on a vu. Ok, T'es-tu proficient en investigation? Oui. Oui. Oui, fais-le, mais avec charisme. Comment je fais ça? Tu fais un charisme avec proficiency. Tu roules avec ta prestance. En fait, fais un charisme. Non, clique sur charisme, fais ability check, puis fais plus 6. Parce que t'es proficient, puis double proficient. Yeah! Oh boy. Même affaire. Ça fait 15 pour être plus exact, parce que t'as pas le moyen. Ah ouais, c'est pas bizarre. Ben oui. Ah oui, 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 oui. Oui, ah, oui. T'as le moyen, oui, non, c'est un charisme. Je suis vraiment poche en charisme. Ouais. Donc, fait que tu te promènes puis tu te poses des questions au monde. Genre, est-ce que vous avez vu cette tortue-là? Puis là, tu montres des dessins de tortue, tu sais. Puis tout le monde sont comme, non, on n'a pas vu de turtle ici. Là, c'est rare qu'il monte ici. Non, mais c'est pas un turtle, c'est vraiment une tortue. Ah non! Non, ça me dit rien. Ok. Bon, ben, puis je check voir autour si je le vois là. Faire un investissement. Non, roule-moi un D2. Un D2? Tu vois-tu à quel point je suis désespéré? C'est slash roll, slash right? R, espace, un D2. Ben, roll marcherait aussi. Bon, ben,
Bro, je pense qu'on les a toutes perdues, là. Non, juste... Et je suis là, moi. Oh, ouais, non, mais... C'est avec vous. On prend un... Mais non, on peut envoyer des yeux dans le ciel pour essayer de trouver où est-ce qu'il est. Quand vous passez près de la grille vers le Court of Air, tu vois à travers le grillage, assis contre un arbre, Raph qui est en train de sculpter un petit quelque chose dans ses mains. Oui, un petit bébé, un plus petit Skitter Widget. Skitter Widget. Un petit OK, fait que là, quand je le vois, je cours vers la gate, pis je suis comme Raph! Lui, c'est mon ami! Là, je regarde les gardes, je suis comme, je travaille avec elle, lui! Oui, je connais, là! Briantine, fais-moi une persuasion, s'il te plaît. C'est votre grand électeur là, qui nous a demandé de faire une job pour lui. Je suis pas un mendiant! Je vais te laisser le refaire parce qu'il y avait quand même les gardes qui sont avec toi. Ah, c'est bon ça. Persuasion. Ouais, fait que. Ils t'ont vu partir de la troupe avec les gardes. Ouh, et voilà. Wow, il n'y a pas de problème. C'est quand même moins un, c'est malade. Fait que il te regarde, puis il fait. Ok, c'était vrai son histoire? Ah, ouais, là. Ah, ok, ben, puis là, il débarre la porte, puis il ouvre. Excusez-moi, monsieur, c'est juste que des histoires comme ça, tirées par les cheveux, on en entend souvent, puis si on se laisse tout le temps entuber comme ça, première chose qu'on sait, le savoir serait tout volé. Il referme la porte. Correct, je vous pardonne, mais c'est pas tout le monde qui a notre degré d'intelligence. Le shame! Ça fait agressif. Puis j'y donne mon petit affaire en bois. Tiens. Merci. On recommence à zéro, toi puis moi. Ouais, moi c'est Jean-Guy. C'est bon, moi c'est Raph Jean-Guy. Parce que tu vois, avant que mon ami vienne m'aider comme ça, j'étais rendu au stade parce que j'allais peut-être puncher my way in. Fait que je suis content que ça s'est fini, que finalement je te donne un petit cadeau en bois, puis on se parle, puis on va peut-être prendre une bière à un moment donné à l'auberge de Jean-Guy. Ça serait le fun. Ouais, on s'en reparle plus tard. À la prochaine. Vous retournez vers la porte de grange, vous y arrivez tous. Je m'excuse, Brian, man. J'ai commencé de trouver là, les grands électeurs, puis je suis tombé comme sur un garde qui m'a pas cru. J'ai pourtant tout dit ce qu'on a fait. Là, je mets une main sur l'épaule, puis je dis, c'est pas grave, Raph. Des fois, tu fais un peu cet effet-là, mais on s'habitue à un moment donné, là. C'est quoi, tu vas me dire que je fais l'effet Raph? Ben oui. C'est ça qui fait que t'es spécial, Raph! Oh my god! Le Raph, il fait comme... Ok, ouais, nice, merci, c'est gentil. C'est sûr! Donc, les gardes arrivent et constatent les corps, vous remercient et vous disent, bon, ben, à partir de maintenant, on va sceller... ce bâtiment-là, en fait, on va faire une enquête là, pour savoir à quoi il servait originalement et tout ça. Ah, mais il y a encore du monde là-dedans, là. Oui, je sais. Non, mais après ça, on va le sceller. Et si c'est un bâtiment qui est dangereux pour la ville, on va prendre des actions pour la protéger. Oui, mais j'imagine qu'on leur explique tout, là, parce que... Mm-hmm. Oui. C'est ça, en fait. Si jamais c'est trop problématique, c'est trop compliqué à défaire, tout ça, faites juste le faire décoller dans l'espace. Ben, dans le ciel. Ouais. Ça vous débarrasserait de détruire la ville. Oui, non. Ouais. C'est plus ce côté-là qui m'inquiète. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est bien fou. Ah, je comprends pas votre ville. Hey, Aberos, on y va-tu dans ton bureau, là? Ouais. Je veux récupérer mon bureau. Vrai. Merci les cops, là. Si j'ai besoin d'aide, de quoi que ce soit, là, on est là, les COVID bastards. Ouais, merci. Merci de nous avoir aidés. Les COVID sont les amis des cops. Hey boy. Ben, Raph est rendu avec son contact, là, dans... Ouais, j'ai Jean-Guy. Ben oui! Il faut que je me l'écrive quelque part, là, Jean-Guy. Ça a dû te faire plus ouais, de jours. C'est quoi qui est arrivé, Raph? Ça t'a tombé pris du temps pour revenir. Il a fallu qu'on aille te chercher.
Ben, j'ai parlé au mauvais garde, I guess. Il m'a pas cru. Il m'a dit que j'étais un mendiant parce que j'étais habillé comme un pauvre. Ben voyons. T'as pas l'air d'un pauvre? Ben, je sais, je suis pas habillé. Bro, il se regarde, ça, comme. Chris, moi aussi, j'aurais l'air pauvre. C'est la fille qui nous juge. Wow, à ce moment-là, je vois Raph que, comme, au niveau de. En dessous de ta ceinture, ça devient tout brouillé, là. Comme... Non, mais c'est normal, c'est du monde de ville. Ils comprennent pas c'est quoi la vraie vie, là. Ils sont pris dans leur ville, derrière leur mur, qui les protège de tout, là. Ils peuvent pas comprendre. Ils ont toutes des jaquettes. Et, ben, c'est ça, ils ont toutes des fausses barbes, puis. Ils peuvent pas savoir. Ah, ben, Ross, puis je donne un coup sur l'épaule. Bon, ben, moi, avec tout ça, ça m'a creusé l'appétit. Je le savais que ça s'en venait. T'allais dire que t'avais faim. Mais on pourrait aller manger à quelque part, c'est vrai. Mais Ross, c'est quoi le meilleur resto? La meilleure taverne, la meilleure auberge? Celle-là. C'est The Earth, qui est dans la cour. La cour de l'air. Non, The Earth, une bonne pizza. Le cœur, la gang. Là. Le cœur, The Heart, ok. The Heart. Parce que The Hurt, j'étais comme, j'ai pas envie d'aller à une place qui s'appelle la douleur. La douleur. Ok, ben on va-tu là? Ben ouais. Ben, on va laisser Luciano constater le menu. Il est bon pour évaluer un restaurant de par sa carte. Oh non, ben je fais confiance à Beros, là. Puis même si c'est pas bon, ben ça aura un mauvais pointage. Mais au pire, ce qui va bien aussi, on n'a pas Zilana. Fait que comme j'aurais demandé à la base, où on a-tu le perdiem pour aller là? Mais. Puis là, Brian la regarde. Pourquoi tu demanderais Zilana? Ok, à toi aussi. Mais je vous confirme de quoi, by the way, les gardes ici, ils se soudoient pas comme ceux de Baldur's Gate. Ça va nous revenir moins cher. Ah bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, on s'appauvrira pas trop. Ok. C'est bien tu l'as eu. C'est bon, tu l'as eu. Bien joué. Ouais, mais entre le petit lunch de groupe qu'on va se payer, puis tous les sorts qu'Aberos va devoir apprendre, puis les polycristals, là, mais ouais. le diamant qu'on va devoir acheter pour mes sorts, inquiète-toi pas. Là. Ouais. Ouais, mais en même temps, Aberos, il a rien demandé à Nat depuis tout le temps qu'on le connaît, c'est-à-dire 3 semaines, il nous a rien demandé. Non, c'est faux. On y a juste mentionné une bonne coupe de spells. Vous m'aviez donné à peu près 1000 pièces d'or. Faut que j'apprenne des spells déjà. C'est correct. On a flobé 3000 sur un arc que Hunter a jamais utilisé. Arrête d'utiliser dans le dernier combat. Oh, non, c'était pas celui-là. C'était l'autre avant. La serpentarde, elle l'a trouvé. On y a acheté l'arc qui était meilleur. Elle l'a utilisé genre une fois, puis on a trouvé la serpentarde. On a trouvé l'autre. Fait qu'on a ramené l'arc. Au moins, la garantie est encore là. Ouais, au moins. Très bel retour. Kibi, c'est Kibi, hein, c'est ça? Non. Mm-hmm. Oui. Oui. Ouais. Après, tu peux peut-être en cibler genre 2-3, puis... On peut commencer par ça, puis après ça... Ben justement, je suis rendu à 450 pièces d'or. Ah! Ah ben t'as un budget de 1000 pièces, correct? C'est raisonnable. J'ai un budget de 1000 pièces? Ben je sais pas, je regarde Briantine. Brian? Je sais pas, il nous en reste combien, là? Attendons, là. Spare no expense. Ah ouais, ok. J'avoue, par contre, qu'on n'a pas refait beaucoup de cash depuis un certain temps. Fait que là, non, en ce moment, on mange beaucoup notre argent sans jamais en vraiment gagner. Guys, j'y repensais, puis il faudrait peut-être qu'on mette une petite pause sur trouver le Tomb of Legendum, puis aller fouiller genre des cavernes de dragons, des choses comme ça. Je trouve qu'on fait pas assez de trucs classiques qui nous trouvent du loot, là. Ça marche pas, notre affaire. Je suis bien d'accord avec ça, moi. Sinon, on pourrait aider mon ami le génie, puis lui demander de l'or. Ça serait ça ton vœu? Ça serait ton... What? Ça se ferait. Ton vœu! Puis, ouais, mais là, faut faire attention au génie, là. Il va nous donner une pièce d'or, là. Ouais, c'est... Ouais, les génies n'ont pas tendance à comme nous trahir dans comme le deal que tu fais avec eux autres. Pas lui, parce que on l'aide à se venger de quelqu'un. Se libérer de quelqu'un. C'est noble comme quête. T'as pas vu qu'un méchant menu élaboré.
Ah non, on nous reste. Puis ça, t'es en avant du resto. Tu sais, il y a comme un espèce de petit. Tu viens-tu d'écrire cette carte-là en 5 minutes? Moi, quand que je comprends que mes joueurs tripent sur de quoi, je trouve des affaires. Ben là, il y a juste Luciano qui le regarde. Ah, c'est juste moi qui le regarde. Ok, alors, au menu. Oui, quoi? On a compté. Midi, on a le. Ah, écoute, je vous lirai pas tout ça, là, mais. Non, non, je vais vous le mettre visible. Mais je trouve ça plus drôle. On a-tu compté gagné ou juste compté? Compté. Comment ça, juste compté gagné? Hey, là, on a compté le premier but. Ah, ok, parfait. Puis les autres, ils en ont fait combien? Zéro. Zéro. Ah, ok. Ooh. Good. Oh my god, un burger Minotaur haché, c'est tombé hot! Il a l'air vraiment bon, le burger Minotaur. C'est tombé hot, le menu! C'est vraiment nice, là. Wow. Il Nen, quelle année, c'est malade! Ok, on va là, là. Non, oui, on va là. Ah, il va je l'avais dit que c'était la meilleure place. Oh, c'est trop gros. Spiritueux, nain. Ouais, moi je pense que je vais prendre le burger Minotaur haché. Sauf qu'en même temps, je me sens mal de manger du Minotaur. C'est comme. C'est quand même une créature qui est capable de communiquer. Ben non, mais c'est le nom du burger, là. Ah, ok, tu penses pas que c'est la viande, là? Ben, je pense pas, là. J'espère. J'espère pas. Première demander. Question que je vais poser. C'est plus ben... saveur, c'est un Minotaur. Ouais, c'est du Minotaur qu'il y a dans le burger? Ouais. Et Fleck te fait remarquer que c'est l'item le plus série, le plus cher, fait que c'est clairement du vrai Minotaur. Oh shit, ouais. Ben oui, 12 pièces d'or! Faut le chasser, ce Minotaur-là. Là. Un burger à 12 pièces parce qu'il doit avoir une espèce de cornichon frit dedans, là, ou une cochonnerie. Ça serait bon. Non, mais qu'on va au resto, Joe. Excellent. Donc, vous rentrez dans, dans la taverne, dans la taverne Le Cœur, et il y a quelques personnes un peu partout. Il y a quelques tables utilisées. Vous remarquez que près du feu, il y a un ogre qui est en train de lire un livre. Et sinon, il y a aux autres tables, il y a quelques autres personnes. Où souhaitez-vous vous installer? Une bonne table, là. Bonne table. Loin de l'ogre. Genre, que ça excellent. Fait que vous installez à une table et le serveur vient, puis dit donc bonjour. Aujourd'hui, le spécial est sur le burger de Minotaur haché. On a acheté une cargaison d'un aventurier dernièrement. C'est une viande quand même très tendre, élevée en liberté et qui vous fera l'impression de gambader dans un labyrinthe. Mais c'est-tu un vrai Minotaur haché? Non, mais... c'est du D&D Beyond Me. Non, non, mais attends. Très fort. Non, mais vraiment, c'est de la viande de Minotaur? Ouais, ouais. Ouais, les aventuriers nous le ramènent de temps en temps et on. C'est-tu quelque chose de. Merci, Fang TV. C'est-tu quelque chose de normal? C'est ça. On trouve comme. Ouais, j'ai jamais mangé de Minotaur, mais c'est pas quelqu'un qu'on peut. Comme... Tu sais, je me tourne un peu dans la pièce pour voir s'il y a pas un Minotaur avec nous. Non, il y a pas de Minotaur. Ah, mais je... Puis je pointe l'ogre, puis je dis, c'est pas comme si on mangerait de l'ogre. C'est un peu weird. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai déjà rencontré une vache qui était awakened, puis ça m'a pas empêché de manger de la viande après, là. T'as-tu mangé cette vache-là? Ben, moi, je sais pas, je me suis fait transformer en poulet tantôt, puis j'ai pas vraiment envie d'en manger. En Oh, wow. Non, ben, honnêtement... Nous autres, de la viande, c'est de la viande. La viande. Ok, c'est correct. Moi, je vais prendre. Je prends quelque chose d'autre, sauf le Minotaur. Là. J'aime pas même l'idée. T'sais, le filet de truite fraîche fumée. Ça va être parfait, oui. Ça. J'ai un petit complexe de turtle, tu sais, que j'en suis pas une, tout ça. Puis j'y demande, avez-vous. Peut-être dans votre menu, il y a d'autres choses. Là. Des fois, il y a comme des menus cachés qu'on sait pas. Avez-vous quelque chose d'un peu plus ferreux, métallique, disons, dans votre menu? Le plus métallique.
Peut-être un fouet, peut-être? Peut-être un couteau, quelque chose qui te sert à rien. Qui est brisé. Non. J'y monte, Zilly, je veux nourrir ma petite bébite. Oh! Je pense qu'elle mange du métal. Ah! Oh! Christy smart. Non. Ouais. Non. Raph, il est pas smart, il est intuitif. C'est pas pareil. Non, mais non, notre coutellerie est utilisée tous les jours et croyez-moi qu'on va compter les couverts qu'on va vous. Ah, oui. Une silver par coutellerie. Okay, je vous achète une fourchette que vous aimez pas bien. Ben. Rajouterai ça au menu, à facture. Ah, une deuxième. Silver. Deux fourchettes. Deux silver. C'est bon. Alors, on va s'enlever ça quand tu vas nous donner le total. Oui, parce que là, vous allez me sortir plein d'items, hein, je le sais. Ouais. Moi, je suis prêt à commander, monsieur. moi, je vais commencer par, en entrée, la casserole de bœuf et légumes, mais pas de légumes. Je vais prendre aussi le canard rôti aux pommes, mais pas de pommes. Puis quelque chose de léger à la fin. Une salade de saumon. Un poulet aux pommes? Un canard rôti aux pommes, mais je veux pas les pommes. Ah ben oui. Puis la salade de saumon fumé, mais pas de salade. Parce que les fruits et les légumes, c'est pour les faibles. Le gars, il fait juste prendre toutes les protéines, mais il prend rien d'autre. Fait que, parfait. Ça l'a envoyé. Qui d'autre qui est prêt à commander? Ça va te faire 14 silver piece. Oui, Luciano. Attends, je l'enlève au fur et à mesure. Là. La Kelanic, c'est quel genre de bière? La Kelanic, c'est une bière assez ronde en bouche. Vraiment, vraiment très, très douce. C'est une bière de soif, mais d'élaboration naine. Donc, elle a quand même un certain coffre et une certaine complexité dans le goût. Attendez-vous pas à une petite bière d'été, là. On parle quand même d'une bière qui a quand même de l'expérience, de la vie, de la joie, mais qui se boit bien. Bon, j'imagine que c'est en 12 onces? Non, c'est 20 onces. Ah, c'est bon, je vais prendre la 20 onces. En entrée, la soupe à l'artichaut, c'est la soupe du jour? C'est la soupe de la semaine, mais oui. OK. Une soupe à l'artichaut et... la poule de Cournoy, là. Excellent choix. OK. C'est local, ça? Oui, tout à fait. On fait affaire avec un éleveur qui habite un petit peu plus loin sur la route de Baldur's Gate. Nourri au grain? Nourri au grain et à l'herbe de liberté. Là. OK. Puis, les olives, moi, j'aime pas les Kalamata. Ah, c'est pas des olives de Kalamata, c'est des olives vertes. Excellent. Et est-ce possible d'avoir juste un petit side pour y goûter la queue de Minotaure? Mais pas format. Ouais, ah ben oui. pas format bro. Pas en format repas, juste en format pour... Je peux bien vous arranger de quoi, là? C'est ça, pour y goûter, là. Puis ça va être tout. Mad Max, t'as vraiment poussé le jeu. De Luciano. Genre, c'est une niaiserie que t'as shooté un money to the game. Ah, on l'a dit pas, oui, là aussi, oui, en partie. Là. Vraiment malade. Intense, on va. On roleplay du moment au restaurant avec le serveur du moment. Joe, il a fait appel de préparer le petit repas de menu. Non, mais ce que j'aime à la base, là, c'est que c'est parti là, des comme semaines de ça quand tu as juste décidé que Luciano était comme une fine bouche. Ouais, je sais même pas comment ça a commencé. Chez Zlana, non? Non, ah, ça a commencé avant ça. On a commencé, c'était à Hunterville. À l'auberge quand Brad Pitt nous a comme tassé de nos chambres. Oui. Puis il était en crise contre le petit déjeuner qu'ils n'ont pas eu. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. C'est vrai, c'est ça. C'est à Triboire que tout a commencé. Ta date, t'as tout fait. T'as eu un restaurant, t'as parlé du monde. Mais là, tu sais, c'est en bac. Hunter était barmaid, Brew, il commande ses prots. À vous de continuer. Est-ce que quelqu'un d'autre est moi, prêt? Moi, je vais commander. Oui, vas-y. Prends une salade de saumon fumé. 3 vodka, 2 ascarus. Oh, calme-toi là, je crie pas si vite que ça.
C'est le serveur qui dit ça. Oh, ouais, il est comme, oh, pas trop vite. Là. 3 vodka. 2 Ascarus. Des Ascarus. Ah, ça, c'est les lumières. Ah, Ascarus, ok. 2 Invidian. Une blonde d'Invidian. 2 aussi. Non, Hunter, tu vas pas mal manger liquide. Ah, du Herbanix ici. Wow. On va en prendre un aussi. Ah, c'est pas trop. T'as un peu. Fait que toi, ça ferait 5... 24... Je mangeais léger. Fait que 44 CP pour toi. Moi, je vais juste prendre la casserole de bœuf et légumes. Puis, ben moi, une tablière de soif, là. Mais tortue, ça mange de la salade, non? Voyons, Hunter, tu sais que je suis pas une tortue, je suis un japonais. Mais, Fait que c'est 15... non, pas tout à fait. C'est 6 silver piece et 9 copper piece. Parfait. Puis, j'ai une dernière question. Votre queue de Minotaur, là, mm-hmm. C'est vraiment... Comme un Minotaur, ça a une queue, right? Oui. OK, c'est bon. C'est tout. J'avais trop peur de où est-ce que ça s'en allait. Ouais, c'est ça. Je m'en allais nulle part. C'est juste que Raph, il a eu peur tout d'un coup. Il est comme... Il se rappelait pas un Minotaur, tu sais à quoi ça ressemble. Et qu'il... Fait que là, il était comme, c'est quoi qui nous servent? C'est nous servent ça. Oh, fait que, non, oui, puis une bière de soif, puis merci, c'est bon. Parfait, fait que 6 silver et 9 copper. Plus la cuillère, 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent de plus. Fait que 8 silver, puis 9 copper. Ouais. Raph! Ouais. Est-ce que c'est le loot de groupe qui paye parce que j'ai pas assez d'argent? Oui, c'est clair que c'est le loot de groupe. Là. Oui, bien check, groupe, j'ai ouvert la. J'ai réservé la table à côté, j'ai ouvert la tente. Wow. Est-ce que tu veux commander quelque chose? Brian, il va commander. Il va dire. Moi, j'aimerais bien ça. Prendre votre. Votre salade. Ah non, attends. Hey, elle commande au restaurant comme elle joue ses tours de combat. Je sais! non, je sais. Je vais te prendre vos filets de truites fraîches fumées. Fumée avec votre Elnen. Parfait. Donc, ça je vais fait... juste dire Elnen. Fait que 5 silver, 9 copper. Ok. Et je le fais au fur et à mesure en guys, ouais, je ne l'ai pas en plus. Ok t'as-tu fait pour moi aussi? Oui. Ah, tu peux-tu me répéter pour moi, excuse-moi, Joe? C'est 5 silver, 9 copper. Ok. Fait quoi, pour moi, ça va être bien simple. Ça va être une soupe d'artichaut en entrée, puis des champignons fourrés aux pommes. Oh, gadon, le petit magicien est rendu vegan, là, je suppose. Ouais, vegan, Aberros? 14, c'est pas. Pas particulièrement, mais je file pas manger de la viande après avoir été un poulet, c'est drôle. Ouais. T'as peut-être un bon point. Comprenable. Ouais, c'est. Ouais. Pour vrai, quand t'étais en poulet, là. C'était bizarre. Ça m'a donné faim, cette histoire-là. Ouais, moi aussi. Espéré ne jamais me retransformer en poulet. Ah, je te le souhaite aussi. On a-tu tout commandé? Oui, fait que tout le monde, vous avez tous commandé. Le serveur s'en va. Puis quelques instants plus tard, vos consommations arrivent. Quelques instants plus tard, un cabaret arrive avec toutes les consommations d'Hunter. Glouer. Exactement. Et vous installez pour commencer à manger, à boire. Que souhaitez-vous faire? On juge la nourriture. La nourriture ouais. Est excellente. Cool.
Mais là, là c'est quoi le mot jamais ton commentaire sur Twitch? C'est quoi le plan d'action? Ben moi j'irai claim mon bureau. Okay. Puis à demander au grand lecteur ou à n'importe qui d'autre, je dois connaître un spécialiste pour le Team of le Tome of Lichdom. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait. Là, Joe, ça doit faire au moins un short rest qu'on fait à manger comme ça par relax. Vous pouvez faire un short rest, ouais. Ah, yeah. Yes! Sinon, on peut faire ça demain matin. Hein. Oh, je pense qu'il est rendu comme 10h du soir, c'est ça? Non, il est okay. 11h36 le matin. Ah, oh, le matin? Oh my god, on l'a ça à bière, pis ça a l'air une bouche sale. Okay. Ouais, on vient de finir une mission, là. On le mérite. Okay. On a-tu fait un short rest entre-temps, ou on a passé la nuit dans le... Non, vous êtes rentré le matin. Ah! Oh, c'est ce matin-là, là. Okay. On n'avait pas déjà fait un short rest aujourd'hui, hein? Non. Ben, quand on est sorti de l'auberge... Oui, vous avez fait un short rest en sortant de l'auberge. Non, mais tu sais, c'était le matin, donc on c'est a ça. Fait un long rest là. Exactement. La nuit d'avant. C'est ça, mais en ce temps-là, puis en ce moment, on n'avait pas fait un short rest, right? Non, mais là, c'est il ça. Est quoi? Il est midi, c'est ça? C'est ça. Ouais, il est 11h. Ouais, il est rendu midi. C'est parce que moi, j'ai Arcane Recovery, puis il est comme tické. Mais je sais pas si c'est parce que... Il t'as peut-être pas fait de long rest. C'est ça. La dernière fois. T'as fait un bout qu'on n'a pas fait un long rest, là. Ben, on a dormi à l'auberge en base ville. Là. On a tout fait un long rest. Pas en base ville, mais à l'extérieur, mais oui. Ouais. Où est-ce que vous aviez vu les aventuriers qui vendaient des choses? On peut peut-être aller voir s'ils ont tes spells à Beros? Ben, pas son bureau? Ah, ouais. C'est vrai. Ouais. On s'est jamais rendu au bureau. C'est vrai, on peut peut-être commencer par ça. Pendant le repas, le Skittle Bugger là, dans la poche de, de Raph faire? Va sortir subtilement. Fait que tu t'attunes au truc? Je savais pas qu'il fallait que je sois attuned, mais si on fait un. Tu peux le faire pendant un short rest, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que, à la fin du repas, il va sortir subtilement. Puis, il va aller faire une prestation. Ah non! Sur la table. Pas de langue. moi, je vais sortir mes bagpipes. Puis, je vais faire de la musique entraînante. Puis, je vais faire danser les. Les deux Skittle Buggers aussi. Skittles, il sort de la poche de Brian. Puis ça fait comme vraiment un show divertissant de deux petites bébelles mécaniques. Là. Écoute. C'est quoi l'ordre que tu leur donnes? Faites-moi un show de mopette. Ok, parfait. C'est ça que je l'ordre. What? Fait que tu fais ça, tu dis ça, puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, tout d'un coup, t'entends comme « Hey, arrêtez ça, qu'est-ce que c'est ça? » Puis la porte se fracasse et il y a un Skitter Widget avec un paquet de lances à travers lui qui rentre, qui s'en va sur la table et qui commence à danser. la table. Oh, c'est parce que tu peux juste contrôler les adultes. Oh, wow! Ou les bébés. Oh my god! Mais il arrive de où, lui? Il arrive de la barn. La barn door. C'est supposé être 30 pieds, là, mais je trouvais ça plus drôle. Ça se passe que rien se passe. Ouais. Et tu joues ta musique entraînante, puis le monde sont juste comme « What the fuck? » Puis comme quelques instants plus tard, il y a des gardes qui arrivent, puis qui font juste lancer des javelots dedans, puis vous voyez le Skitter Widget qui tombe. L'ogre s'était relevé, puis protégeait son livre avec tout son corps, vraiment, de façon à ce que rien arrive. Puis vous voyez, il y a un peu d'huile qui revole sur lui, puis il est comme « Ok, le livre est correct. » Il a parlé comme ça. Moi, je trouve ça drôle. Non, il a plus parlé comme. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le livre est correct.
OK. Ben, on sait pas, c'est toi. OK, c'est ça. Ben, vous l'avez vu comme monter puis jouer de la musique, là. Bro, what the fuck? Je pensais pas que c'est ça qui allait arriver. Je veux pas dire que c'est pas de ma faute, mais je veux peut-être dire aussi que j'ai eu des mauvaises instructions sur le fonctionnement de cette bague-là. Ben, mes instructions étaient bonnes. Je pensais que les enfants étaient pour fonctionner. Ah, ok. Ben, c'était. Aberas m'a dit que c'était une bague qui permettait de contrôler les Skittles Budget. Oh, tu voulais faire ça à Zilly puis à Skittle? Ouais, je voulais. Nos petits bonhommes mécaniques. Ah, oh, t'es. Oh! Pas fin, ça. Ben, ça aurait été beau, là. Un beau divertissement. C'est juste les faire danser. Il n'y a pas leur faire du mal. J'avoue. Ouais, mais c'est contre leur consentement, bro. C'est pas fin. C'était-tu contre leur consentement de les enlever de leur nid de leur mère? Ils étaient morts. Leur mère était morte. Leur mère était morte. Ouais, mais là, c'est ça. De cause naturelle. Leurs parents voulaient nous tuer, puis c'est pas de leur faute à eux. Fait que, tu sais, on l'a fait de notre grand cœur. En plus, on n'est même pas certain hein, si sont nés naturellement. Ça reste des trucs mécaniques qu'on n'a aucune idée comment ils ont été mis dans leur nid. Mais. Nous, il dit au serveur, on va payer pour le dérangement, là. Peut-être que quand ils vont être adultes, tu vas pouvoir les diriger, par contre. Peut-être, mais écoute, j'enlève la bague, puis... Putain, Raph, brillant, là, décidez lequel de vous deux va avoir cette bague-là, parce que clairement, c'est pas une bonne chose que ça soit entre mes mains. Ah, oh, mais c'était fou, le gros. Regarde Raph, j'appogne. Je pense que ça va être plus safe avec moi. Non, c'est correct. Moi, de toute façon, j'ai déjà tout ce qu'il faut au niveau d'objets magiques. Attunement slot. Je faisais oui, exactement. Pas confiance. Moi, j'ai rien d'attunement. Pour vrai? Ben non, je pense pas. Ouais, t'as tous les objets que tu nous as volés, t'as rien. Ben non. Comment ça, je vous ai volé? Je veux dire, t'as volé aux ennemis qu'on a tués ensemble. Pourquoi? Oh, je te niaise. Ça commence à s'échauffer. Ta bague, ça doit être. Mo, il s'en va, il est pas content qu'il pourra pas faire de blague avec sa bague. Ton affaire de Tima, pas? Ah, tune, j'ai peut-être ça de tout. Ouais, t'as ta Cloak of Invisibility, t'as ta Ring of Warm. Ah, ben j'enlève ma Ring of Warm puis je mets celle-là à la place. Tes 4 dagues magiques, tes bottes de speed. Mes 4 dagues sont pas magiques. Oh, c'est joke. Oh my god, tu m'as fait peur. J'étais comme non, c'est pas vrai. Ok. Ouais, non, mais clairement, Brian, il fait pas confiance à Raph pis son chaoticness. Là, ouais. Gérer ce ring-là. Là. Well played. Sinon, Brian, c'est. Joe, t'avais dit at will, hein, tantôt. Mm-hmm. Ouais. C'est quand même fou, ça. Averus. Ben, tu peux utiliser at will, le sort télékinésie avec cette bague-là. Ouais. Façon que tu peux bouger des objets. Puis, bro, il s'est débarrassé 50, de ça. Jusqu'à 500 kilos. Oh ouais, my god, ok. Ouais. Alright, wow. Ben c'est noté, merci. Wow, j'en reviens pas qu'il s'est débarrassé là-dessus. C'est sur tes feuilles de personnages Beyond et Foundry. Merci beaucoup. Hey, télékinésie, c'est fort, là. Mm-hmm. Très fort comme ça. J'imagine que les gardes ont débarrassé le cadavre. Oui. Oui. Fait que Luciano, il donnerait un... Je sais pas si ça fait de l'allure donner 5 pièces d'or, là, si c'est pas assez, là, il donnerait plus, là, mais il donnerait 5 pièces d'or puis il paierait. C'est quoi que là, Gribois? Présentement, il est en train de boire un London Fog. Oh. Ben, je dis au serveur d'en commander un autre. Là. Bro, tu t'es débarrassé d'une bague qui fait télékinésis, man. T'es fou? J'étais pas clair non plus sur des instructions. Ben ça, je l'avais dit. Ça marche avec ton barbare, c'est correct. Ah oui, c'était même écrit. Rien, ça, pas... ça match quasiment avec... Tu peux nous enlever 5 pièces d'or, s'il te plaît. Ah, excuse, dans le loot de gros. Ouais, Okay. J'avais vraiment pris la bague juste pour le lol.
Wow. Ok, donc là, ok. Aberros, t'as quand même fait une belle scène de bro qui pense faire un tour puis que ça se retourne contre lui. On s'en va où là? C'est toi qui décides. On va aller voir le gars pour que j'aille à mon bureau. Ok. On te suit. On a bien mangé, on a bu. Hunter est torché raide. On est prêt. Hey, Hunter, elle s'est claqué 3-4 vodka pis genre 5-6 bières. Là. Pis il est même pas midi. Elle doit être garlot un peu, là. C'est sûr. Pas mal, là. Fait que Joe, avec Aberros, on s'en va voir le gars qui gère les bureaux. C'est ça. Là, je m'étais négocié aussi un upgrade de bureau. Là. Mm-hmm. C'est vrai. Avec une belle vue. Tout à fait. Est-ce que les autres, est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez faire? Est-ce qu'on accompagne Aberros? Une fois que le bureau va être récupéré, on pourrait aller voir l'autre professeur, j'ai son nom sur le bout de la langue, là, qui connaîtrait le Tome of Legend. Professeur X? Ouais. Professeur Dumbledore. Donc, excellent. Ben, on va arrêter Professeur ça. Professeur Jones. On va arrêter ça là-dessus aujourd'hui à 21h55. Un petit peu plus tôt que d'habitude, mais ça va être plus simple ça que d'avoir oui. Une scène un peu coupée. Donc, c'était la semaine. C'était la semaine de la game. C'était la game de la semaine. J'espère que vous avez eu du plaisir. Vous avez fini Candle Keep Deconstructed. C'est fucked up cette quête-là, man. C'est n'importe quoi. C'est hot. C'était moi, bon. J'ai beaucoup aimé. C'est malade. J'espère que vous avez eu du plaisir. C'est sûr, ouais. C'était très railroad, là, puis il n'y avait pas grand-chose. Oh, mais ça, c'est classique, les quêtes Wizard of the Coast. Là. Ouais. Okay. J'ai coupé un combat à la fin parce que je trouvais qu'on avait eu assez de combats. Puis... Ouais. Quand même, ouais. Du coup, on se battait contre les bibliothèques sur le dernier étage? Non, il y avait des espèces de flèches golem dans la pièce de contrôle, mais Briantine se serait retrouvée tout seule contre trois flèches golem puis l'autre créature fait que l'autre fanatique fait que ouais arrêtez un peu intense c'est ça fait que je me suis dit ah si jamais ils partent un autre combat là on finira prendre pas la mission à soir puis je voulais que ça se fasse en deux games ben malgré ce combat là que t'as décidé que t'as abandonné moi je trouve que c'était très complet là. Ah oui. Ouais. Puis, moi j'étais magané, j'avais plus de key points. Bon, je pense que deux combats on a eu à ça. Ouais, mais de ça mal, je me suis dit aussi. C'est très bien. C'est drôle le catch. Je suis pas sûr où est-ce que je me situe par rapport à. Comme. Le what the fuck, c'est weird comme catch. C'est très weird, c'est très ouais. Weird. Mais, ouais. Mais moi j'aime ça, c'est comme wacky, ça. Ouais. Ça joue avec les codes, ça. Ça stresse ouais, avant de partir le truc. Ouais, ça c'est cool. Puis là, les espèces de cultes weird sont vraiment bizarres avec leur énergie. Ouais. Ça c'était weird. Ouais, moi j'ai bien aimé la game, pas cette semaine, mais l'autre fois, là, il y a deux semaines, quand que je vous ai donné le nom. Pas poulet, mais. Non, c'était Rooster Muffin. Rooster Muffin. Ah oui! Et vous avez tellement décroché, c'était fait que, écoute, bye Seb. Bye Seb, bye tous ceux qui sont joints ce soir. Ça, ouais, bye à tout le monde en fait. On va mettre le générique et on va se dire à la semaine prochaine. Oui. Oubliez pas tout le monde de vous abonner au Patreon de Joe le DM, c'est malade. Comme avec ça, je vais pouvoir aider Seb. Ah non, avec ça, il va pouvoir acheter un set de clés supplémentaires pour que sa blonde puisse rentrer. Effectivement. Effectivement. Oh ouais, parce que tu sais que c'est pas compliqué de faire un double de clé et double, hein? Ben non, ben. Alisa, elle a un double. Ah, elle a oublié ses clés. Ici. Okay. Et après ça, elle a oublié ses clés ici. Fait que. ça fait qu'il y a beaucoup de clés ici. Fait que, Aberros, tu peux nous mettre ça. Parfait. Bye, les jeunes! Bye! Bye, tout le monde!